tous. Alors, je suis aujourd'hui de nouveau avec Valentin pour un nouvel épisode du format Biblio. C'est toi qui as choisi le livre aujourd'hui, Valentin. Et à nouveau, tu souhaiterais parler d'un livre de Dominique Reynaud, comme la fois précédente. Et aujourd'hui, tu as choisi de parler de son nouveau livre, hein, très récent. Il a été publié un peu plus tôt cette année, 2021. Il s'agit de Sociologie fondamentale. Le sous-titre, c'est Études d'épistémologie, publié aux éditions Matériologique. Bonjour à tous. Bon, déjà, je rechoisis un livre de Dominique Reynaud parce que c'est un auteur qui est impressionnant à lire, déjà. Il a quelque chose de fascinant dans ses démonstrations. Il est très érudit. Et de deux, c'est en fait la suite du précédent livre qu'on a présenté. Donc, c'était La sociologie et sa vocation D'accord. scientifique. Quand je dis la suite, c'est que c'est indiqué dans le texte, quoi. Il le dit, le texte que je présente aujourd'hui est la suite de la sociologie et sa vocation scientifique. Donc je vais suivre la présentation, en fait, enfin, le déroulé du livre. Donc il y a une introduction où il développe un concept épistémologique dont je vais parler dans pas longtemps. Ensuite, il présente en fait des concepts. Donc en fait, pour lui, une sociologie, pour qu'elle devienne une science fondamentale, elle doit avoir des concepts clairs, clarifiés. Qui s'intègrent dans des programmes de recherche. Donc, c'est la deuxième partie de son livre, les programmes, et qui eux-mêmes, en fait, partent de grands principes méthodologiques que la science accepte généralement. Donc, c'est la troisième partie qu'on appelle le principe. Ensuite, après, il fait une petite conclusion sur l'ère de la post-vérité. Donc, je vais suivre ce déroulé, puisque c'est plus ou moins logique son déroulé. Donc, dans l'introduction, donc, il va parler d'épistémologie normative, beaucoup, et d'épistémologie possibiliste, il appelle ça. Donc, derrière ces mots barbares, bon, je pense que derrière épistémologie normative, je pense qu'on imagine que tout le monde entend à peu près ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en gros, c'est de dire que l'épistémologie devrait dicter à la science comment se comporter. Donc, je ne sais pas, par exemple, elle devrait utiliser le principe de réfutation, des choses comme ça. Donc lui, il affirme en gros, l'épistémologie normative, elle a toujours empêché la sociologie, enfin, pas toujours, mais qu'elle a plus ou moins empêché la sociologie de se développer. Par exemple, de dire que les expériences sont impossibles en sociologie, pour reprendre l'exemple de Passeron. Pour lui, c'est normatif et ça a empêché certains peut-être sociologues de s'y pencher, puisqu'on verra plus tard qu'en réalité, selon lui et selon une analyse de la littérature, la sociologie expérimentale existe bel et bien. Donc plutôt que d'essayer de chercher à circonscrire la sociologie dans un champ bien particulier, lui, il utilise, en fait, il détourne le problème et il dit, ben, moi, je préfère regarder en fait ce qui est possible et d'étudier ces régimes de possibilités. Donc il affirme en gros qu'il peut exister de la sociologie où il n'y a pas d'expérience, mais à contrario, il existe aussi de la sociologie qui respecte les conditions de production de scientifique normale, telle qu'on connaît, quoi, dans la biologie, dans la science physique. Donc, c'est ce qu'il cherche à montrer à travers son livre. Donc, son livre n'est pas. Son livre est assez. Enfin, pas consensuel, mais il ne va pas essayer de faire le buzz en attaquant peut-être certaines formes de sociologie qu'il aborde ou qu'il n'aime pas ou qui ne respecte pas les conditions de scientificité. Donc, si on attend un brûlot contre une certaine forme de sociologie, ce n'est pas dans le livre-là qu'on va le trouver. Mais il va vraiment essayer, voilà, de regarder. C'est possible de faire une sociologie scientifique sans essayer de tirer à vue sur les autres sociologies, quoi. Donc, il développe une conception qu'il nomme possibilisme, donc, c'est-à-dire. C'est une épistémologie qui regarde les possibilités. Voilà, c'est ça son introduction. Donc voilà, lui par exemple, il dit à un moment, donc dans le chapitre Pour une épistémologie possibiliste, il affirme, pour ce qui la concerne, l'épistémologie comparative, donc on compare des épistémologies, montre que la sociologie n'est pas une science plus mal lotie que les autres, mais qu'elle a certainement une proportion plus grande à faire cas des difficultés qu'elle rencontre dans son entreprise de constitution en tant que science. C'est-à-dire, par exemple, refuser des concepts communs. C'est-à-dire que chacun va faire sa propre définition. Et ce refus-là, de la part des auteurs, empêche la sociologie de se constituer comme science fondamentale, par exemple.
Après, lui, l'analyse, la normative, la descriptive. Moi, ce que j'ai gardé, c'est vraiment l'opposition normative contre possibilisme. Et au début, alors ce qui est intéressant, il y a dans son introduction, avant même de parler de possibilisme, j'avais oublié, il montre en fait qu'il y a des problèmes en sociologie qu'on ne peut pas résoudre par l'interprétation individualiste, par l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire en partant de l'individu, quoi. Et en fait, il montre pour cela en fait, un exemple à l'aide de constellations. En fait, il montre une constellation d'étoiles et il montre en fait une constellation une prise de nuit sur de telle surface, je crois, de telle ville, je ne sais plus c'est où exactement. Et en fait, il y a certaines régularités entre les deux. Et il dit sociologiquement, il doit y avoir une explication, mais on voit bien que ce n'est pas en partant à l'échelle de l'individu qu'on peut résoudre ce genre de problème. Et donc, il dit. Il existe dans les sciences sociales et crucialement en sociologie des questions scientifiques qui n'admettent aucune solution si elles sont envisagées à propos d'une approche, à partir d'une approche compréhensive, interprétative, herméneutique des contenus subjectifs. Et donc, il dit, l'idée que toute question de sociologie doit être appréhendée sous l'angle des contenus subjectifs est aujourd'hui devenue une sorte de vulgate épistémologique très répandue en sociologie. Et donc, lui, en fait, toujours dans le possibilisme, il va dire, c'est possible d'étudier une partie de la sociologie par les contenus subjectifs, par l'approche individuelle, mais il est possible aussi de faire autrement. Voilà comment il débute son livre. Voilà, donc en fait, il pose une question de départ et donc qui illustre cette position normative. Donc il dit, la question de départ, donc je cite, la sociologie doit-elle suivre une démarche compréhensive, interprétative ou herméneutique, donc c'est-à-dire partir de l'individu, de ses raisons, de ses contenus subjectifs. Pour lui, cette question, elle se conclut par la négative. Non pas que cette démarche ne soit pas possible, tout est possible, mais parce qu'elle n'a rien de nécessaire. Preuve en est que certains programmes de la sociologie n'y recourent pas. Et donc lui, il prend l'exemple d'une ville. Donc il dit, le développement d'une ville est un enchevêtrement de contenus subjectifs de toutes sortes. Donc il explique des choses. Vu de nuit, vu d'avion et de nuit, ces milliers d'individus qui ont chacun des intérêts privés, des envies et des désirs inassouvis, ressemble à peu près à ceci. Alors en fait, il montre une figure. Et donc en fait, il montre une ville de la ville de Surgut, je sais pas où c'est. Et il la compare en fait à une photo d'une amas d'étoiles qu'on appelle l'amas NGC 2425. Et il dit, bah, ces étoiles-là, elles n'ont pas de système nerveux central, elles sont dépourvues. Pourtant, vu de loin, je cite toujours, hein, le district de Surgut et l'amas d'étoiles ont des organisations spatiales pratiquement identiques, répondant à une loi de puissance qui s'écrit sous la forme. Donc là, en fait, il écrit des lois de puissance. Donc là, ça dépasse un peu mes compétences pour le coup. Donc pour les objets célestes, des étoiles à neutrons au superamas, la loi qui la distribue couvre 8 ordres de grandeur. Pour les villes, des villages aux mégalopoles, 4 ordres de grandeur. Les deux distributions sont donc du même type. La pente de la droite ajustée aux deux distributions diffère. Elle est égale à moins 1,7 dans les deux, hein. Comment expliquer cette similitude? Et tout d'abord, y a-t-il quelque chose à expliquer? Oui, car ces distributions sont trop semblables pour résulter d'une coïncidence. Ces lois de puissance ont reçu diverses explications, principe du moindre effort, coût minimum du codage de l'information, optimisation, etc. Les organisations spatiales considérées plus haut se prêtent, de ce point de vue, à une traduction remarquablement simple. Si l'on réduit les organisations spatiales du district de Surgut et de l'amas stellaire à une variable binaire plein, alors le rapport entre le vide et le plein est le même, quelle que soit l'échelle retenue. Autrement dit, il existe le même rapport de vide et de plein dans le voisinage local d'une ville que dans celui d'une mégalopole, le même rapport de vide et de plein dans le voisinage local d'une étoile à neutrons de 40 km que celui d'un superamas de 200 millions d'années-lumière. Et du coup, à ce jour, il n'existe aucune théorie définitive de l'invariance d'échelle et des lois de puissance. Et en gros, il explique que ça, on doit pouvoir réussir à l'expliquer. Et que ça montre que ce n'est pas lié au contenu subjectif, nécessairement, quoi. Et pourtant, ça reste de la sociologie. Donc voilà, c'est l'exemple qu'il D'accord. utilise pour dire on peut utiliser les contenus subjectifs, mais ce n'est pas nécessaire, et des fois, on ne peut pas le faire, tout simplement. Donc là, regarde par exemple la conclusion. Il dit, revenons à la question de départ. Comment expliquer la similitude entre l'organisation spatiale du district de Surgut et l'organisation de l'amas stellaire NGC 2425? Sûrement pas en la faisant résulter de décisions ou de motivations individuelles. On note tout d'abord que les aspects subjectifs ne jouent aucun rôle dans la mécanique générateur de la croissance urbaine. De plus, ces aspects subjectifs n'existent même pas dans le cas de la distribution de matière dans l'univers.
Donc, les aspects subjectifs n'ont pas leur place dans la description du mécanisme explicatif fondamental qui doit être proposé, que l'étude relève des sciences de la nature, de la géographie urbaine ou de la sociologie dans cet exemple. D'accord, Et donc, en d'accord. fait, j'utilise cet exemple pour après développer le possibilisme que j'ai déjà expliqué juste avant. C'est quand tu dis que la sociologie fait davantage cas de certaines difficultés et que ça Oui. gêne sa constitution, ça me donne, enfin, on pourrait interpréter une telle phrase comme voulant dire que, en fait, les sociologues sont plus prudents que les praticiens d'autres disciplines vis-à-vis de certains problèmes. Ils sont peut-être, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, Tu veux dire qu'ils acceptent ça traduirait davantage une forme de de. prudence? Enfin, on pourrait comprendre cette phrase comme ça, mais après, la manière dont toi tu l'as, on va dire, interprétée ou élaborée, ça n'allait pas dans ce sens-là. Avant que tu expliques ce qu'il entendait par là, ça m'a donné l'impression qu'il voulait dire que les sociologues sont plus prudents dans, en fait, leur travail pratiquement et dans les controverses et face aux difficultés que les praticiens d'autres disciplines, mais c'est pas ça qu'il entendait aussi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, en fait, lui, il travaille vraiment sur les difficultés que peut rencontrer la sociologie pour se constituer en tant que science et donc science fondamentale. Mais parce que ce que j'oublie de dire, c'est qu'en fait, au tout début du livre, en fait, il utilise la définition de Mario Bunge, sortie de son dictionnaire philosophique sur ce que c'est une science fondamentale. Pour Mario Bunge, une science fondamentale, c'est la recherche désintéressée de nouvelles connaissances scientifiques. C'est tout. Et du coup, lui, bah, il cherche à montrer comment la sociologie peut devenir une science fondamentale selon la définition de Mario Bunge. Et comme en fait, il travaille sur les difficultés qu'elle a, donc lui, bah, du coup, il regarde selon maintenant son possibilisme les manières que la sociologie peut le faire. Donc à un moment, il dit par exemple que certains sociologues, en prétendant que la sociologie ne pouvait pas pratiquer l'expérience, avaient mis la charrue avant les bœufs, quoi. Par exemple. Donc après. Après, voilà, il dit pas, il donne pas de solution pour que la sociologie s'unifie comme ce qu'on a pu voir dans les sciences physiques ou ailleurs sous des grandes théories. Mais voilà, il montre que c'est possible au moins de faire la sociologie selon les canons scientifiques habituels. Voilà, donc enfin, je pense que l'interprétation de cette phrase, elle veut dire que bah, voilà, elle est une science, elle peut être une science comme les autres, parce que c'est ce qu'il dit dans son premier livre sur lequel on a discuté. On voyait d'ailleurs, on voyait arriver un peu le possibilisme parce qu'il parlait souvent de pouvoir, pouvoir. C'est vrai que dans son premier livre, il parlait jamais de la sociologie doit être comme ça. Et donc il dit non, elle peut l'être. C'est juste qu'elle a du mal à l'être, mais il y en a qui pratiquent une sociologie qui est scientifique au sens plein, quoi. C'est possible de le faire. Et ce qu'il avance, c'est que l'une des raisons pour lesquelles la sociologie a du mal, c'est que justement les chercheurs, certains, refusent, entre guillemets, de se mettre d'accord sur l'utilisation de certains termes. Ouais, alors ça va être juste dans le chapitre juste d'après, bah, sur lequel on va venir. D'accord. Du coup, donc là, on va passer donc au premier chapitre en tant que tel de son livre. Voilà, donc cette partie, elle est consacrée à la clarification de concepts. Parce que pour lui, en fait, une science ne peut pas se constituer si il ne dispose pas de concepts clairs. Et si on utilise simplement des mots ou des choses qui changent entre deux livres, ça n'a pas la même définition pour lui, c'est un frein. C'est un frein à la constitution. La sociologie comme science. Et en fait, ce chapitre, il est vraiment impressionnant. Je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné. Dedans, enfin, dans cette partie-là, il y a trois chapitres. Et c'est la dernière vraiment qui m'a intéressé. Mais je vais quand même essayer de parler des autres. Donc, dans le premier, il parle de concept et désajustement au réel. En fait, c'était déjà la reprise d'un chapitre qu'il avait fait. C'était sur le mot contexte. Et en fait, lui, il réfutait l'idée que le contexte puisse être quelque chose d'explicatif en sociologie. Par exemple, quand un sociologue utilise le contexte, pour lui, c'est trop vague. Et donc, il utilise trois manières de faire le contexte. Donc là, par exemple, il dit, lorsqu'on prétend que le contexte exerce une contrainte ou une influence sur le phénomène étudié, il peut arriver que la contrainte n'émane pas du contexte lui-même, mais de la perception que l'individu se fait du contexte au titre de l'autocensure ou de l'adaptation. Et il montre en fait que lorsque le contexte est invoqué dans une explication sociologique,
ça nuit toujours à l'explication. Parce qu'on peut toujours réduire le contexte en fait à quelques individus. Et pour lui, une bonne explication fait fi du contexte, quoi. Et donc après, il montre une étude de cas. Donc il montre un cas de réduction du contexte en sociologie des sciences. Et il a montré en fait comment on est apparu, enfin comment on est passé dans les années 40 à la notion de communauté scientifique, à partir des années 50 aux communautés autorégulées, puis aux sous-communautés spécialisées, et après au réseau de collaboration, quoi. Et à chaque fois, en fait, c'était une précision de ce qu'était le contexte pour l'effacer au fur et à mesure, quoi. Et donc voilà, il considère que le contexte n'est pas quelque chose de légitime dans une explication sociologique. Voilà. Si l'on cherche à caractériser l'évolution des conceptions du contexte, on constate, un, une tendance marquée à abandonner la référence à un contexte uniforme au profit de contextes locaux diversifiés. Deux, un saut qualitatif consistant à abandonner les représentations continuistes du contexte. Donc, par exemple, de passer de communauté scientifique, discipline spécialisée, sous-spécialité, au profit des réseaux de collaboration scientifique. Donc, et après, il indique, l'histoire de la sociologie des sciences offre l'exemple même d'une tentative de sauvetage de la conception classique du contexte, d'abord par l'accentuation de sa dimension empirique, puis par sa redéfinition comme réseau social d'individus ayant des interactions. Et c'est marrant parce que j'avais publié son article sur le contexte sur mon mur Facebook, et il y avait des sociologues qui étaient venus mettre des commentaires en dessous, quoi, et qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui sur le contexte, pour qui le contexte est un facteur de progrès sociologique, tandis que lui, il va le réduire à des réseaux. Pour lui, c'est un concept trop flou pour pouvoir être utilisé. Comme ça sur pièce, quoi. Je sais pas ce que tu en Je penses. suis pas étonné que des sociologues aient pu venir contester ça. Enfin, je dis pas que je suis pas d'accord avec Reynaud, mais c'est quand même une position qui semble forte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une position qui va assez loin. Je vais dire la conclusion de ça, justement, que j'ai surligné. Et donc, il dit, le contexte est-il d'une quelconque utilité dans l'explication sociologique? On peut en douter. Il incombe toujours au sociologue d'identifier dans le contexte, le milieu ou la situation, les éléments pertinents de son analyse. L'examen précédent facilite cette identification. La notion confuse de contexte peut être remplacée tantôt par les perceptions que les individus ont du contexte, tantôt par le réseau social qui constitue la composante matérielle et objective de ce contexte. Ça semble raisonnable. Après, peut-être que quelqu'un de. Oui, qui baigne plus là-dedans Là-dessus, pourrait j'ai trouver des pas, j'ai, je contre-exemples. suis passionné par la socio, mais j'ai pas les billes pour pouvoir soit argumenter en faveur ou contre. Après, quand la manière dont il argumente, ça paraît normal, ça paraît bien fondé. Après, il faudrait, voilà, ouais, effectivement, avoir peut-être un contradicteur. Mais je crois qu'en fait, son premier livre, alors que j'ai pas encore lu, que j'ai commencé, c'est l'hypothèse d'Oxford. Et dedans, en fait, il réfute l'idée que, en fait, si je me trompe pas, que la perspective serait apparue à la Renaissance. Et en fait, lui, il montre que, enfin, il chercherait à montrer que ça provient de liens depuis le Moyen Âge. En fait, il essaie toujours pareil. Il a essayé de résoudre ce problème-là en se concentrant sur les réseaux et les liens sociaux entre les individus entre le Moyen Âge et la Renaissance, quoi. Alors après, voilà, j'imagine que ça s'inscrit dans le même travail, quoi. Alors après, il parle le chapitre 2 dans cette grande partie, c'est concept et pensée partisane. Et du coup, en fait, il essaie dedans de clarifier certaines notions. Donc, par exemple, il essaye de clarifier le terme idéologie, anthropocène, etc., etc., quoi. Donc, il commence par le mot idéologie. Et donc, lui, en fait, il réfute l'idée que l'idéologie serait néfaste pour les sciences. Il le réfute en fait avec, il cite Mario Bunge dedans. Et en fait, alors après, c'est de bon sens qu'il dit quand même, hein. Il dit, donc comme le reconnaît Mario Bunge, de tels contacts entre les sciences sociales et l'idéologie sont inévitables et peuvent être profitables. Ce qui est pernicieux pour les sciences sociales, comme pour n'importe quelle autre science, c'est la soumission au contrôle unilatéral d'idées incorrectes, qu'elles soient philosophiques ou idéologiques. Donc là, c'est Reynaud qui parle. Ce n'est donc pas de l'idéologie que le sociologue doit se déprendre, mais du contrôle unilatéral de la pensée par tout élément extérieur, idéologique ou autre, qui serait contraire à la réalité. Tant que l'objectivité et le souci de la preuve restent les guides de la pensée, l'idéologie n'a aucun effet, sinon l'effet bénéfique de stimuler les recherches sur le développement de la connaissance scientifique. Donc ça, j'avais trouvé ça plutôt fort, quoi. Alors après, il faudrait... Parce qu'en fait, c'est vrai, enfin, je pense qu'il a raison. Alors après, il faudrait savoir si les personnes qui versent dans une idéologie arriveraient si facilement que ça
à être orienté vers la preuve et la vérité, quoi. Parce que l'idéologie, c'est quelque chose qui nous touche aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on a envie qu'il soit vrai. Alors, il faudrait savoir si l'envie contamine le vrai, quoi. Je pense que tu poses la bonne question. Je rejoins dans une assez large mesure ce que dit Reynaud. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas des trucs que j'ai inventés. En fait, je relaie surtout des réflexions de gens qui sont réellement des professionnels des sciences sociales, notamment Jonathan Haidt, le psychologue social américain, qui a beaucoup travaillé sur tout ça. Comme le dit Reynaud, effectivement, certaines sensibilités idéologiques peuvent conduire les gens à s'intéresser à certaines questions. Et donc ça peut être comment dire, enfin, stimulant quoi. Ça peut être un stimulant pour les recherches et donc pour les connaissances. Le danger étant que la même idéologie qui a poussé les gens à s'intéresser à certaines questions, va les pousser à conclure des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils pensaient déjà. Mais bon, ça, Reynaud ne le conteste pas, que c'est un problème, puisqu'il dit que, j'ai aussi la citation que tu as reproduite sous les yeux. Enfin, il explique bien que voilà, il ne faut pas que la pensée soit contrôlée par ça. C'est ça, c'est le Donc, contrôle unilatéral de la pensée voilà, par quelque ouais. chose de Donc, extérieur à la science, quoi. Alors. sur le principe, évidemment, il a raison. Après, en pratique, c'est difficile, quoi. Hein, mais je veux dire, c'est difficile pour tout le monde. Tous autant que nous sommes, Pour nous tout le avons monde, nos évidemment, croyances, nos ouais. ce que j'appelle volontiers nos intuitions anthropologiques. Nous sommes sous le danger permanent du biais de confirmation. Bon, les chercheurs ne font pas exception, même s'ils ont à leur disposition déjà des moyens intellectuels, en général un peu plus élevés que la moyenne, voire beaucoup plus élevés. Et en plus, ils ont des outils aussi et des méthodes qui doivent leur permettre Ah oui. en fait, voilà, de pas se tromper eux-mêmes à cause de leurs croyances préétablies. Mais bon, en pratique, c'est pas facile. Notamment, comme je l'ai déjà dit, quoi, plein de fois sur le podcast, parce que ces problèmes-là, enfin, les questions qui intéressent les sociologues, touchent tellement à l'humain que nos intuitions morales, anthropologiques sont mobilisées, je dirais, sans arrêt, quoi. Oui, parce que j'imagine que les garde-fous qu'il y a dans les disciplines qui sont constituées comme sciences, en biologie, en Ouais. physique, font peut-être plus le travail que les garde-fous en sociologie, quoi. Elles le font, mais c'est un travail qui est beaucoup plus facile en fait. Parce que si je fais un calcul je sais pas, en physique, je fais un calcul est-ce que je peux faire un calcul de taux d'émission de lumière par un processus atomique, mettons. Il n'y a aucune préférence morale qui vient se. Tu vois, qui vient brouiller les choses. Alors que si je m'intéresse, je sais pas, à la pauvreté, la criminalité, tel ou tel phénomène qui touche les humains, une inégalité entre groupes, là, le travail de garde-fou est infiniment plus difficile. Donc, même s'il y a un certain nombre de méthodes, de statistiques, de contrôle, des résultats, etc., le travail est beaucoup plus difficile. Et en plus, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, comme la grande majorité, si je suis sociologue, la grande majorité de mes collègues va avoir en bonne approximation les mêmes intuitions anthropologiques et morales, il y a des chances pour qu'ils tombent dans les mêmes pièges interprétatifs que moi, quoi. Bon. Alors, il dit,
tout début, il dit une phrase intéressante, il dit « La raison pour laquelle certains concepts des sciences sociales ont un caractère idéologique est évidemment que les sciences sociales sont nées de l'idéologie. » Donc, d'après ce qu'il dit, en tout cas dans cette phrase, ce serait parce que les sciences sociales sont… en fait, il y avait une volonté idéologique derrière leur constitution, serait une sorte… aurait fait que certains concepts d'aujourd'hui seraient encore… à connotation idéologique et orienté vers le normatif, quoi, vers le comment changer la société, quoi. Ouais. Bon, ça, je connais pas assez pour me prononcer là-dessus, mais je pense qu'il y a d'autres raisons, quoi, qui simplement enfin, une sorte oui, sûrement, ouais, ouais. De sociopsychologie du milieu des chercheurs dans cette discipline-là qui contribue fortement à ça, quoi. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait. En fait, il essaye de dégager les conditions qui fait ce qui donne une idéologie, en fait. Donc, il donne 6 conditions. Donc, l'idéologie est un système d'idées organisées. C'est un. C'est deux, l'idéologie a un caractère normatif prescriptif. Condition 3, l'idéologie appelle le consentement. Condition 4, l'idéologie vise à se réaliser. Condition 5, l'idéologie légitime un rapport de domination. Et condition 6, une fois démasquée, l'idéologie paraît fausse. Bon, après, il développe chacun des points, chose que je ne vais pas pouvoir faire ici. Et en fait, il en tire une conclusion qui est intéressante. Et il dit, en fait, ces conditions de définition n'ont pas la même importance. La condition C1, donc le fait que ce soit un système organisé, l'idéologie, propulse l'idéologie dans l'environnement immédiat de la science. À cause de cela, il est plus difficile de démasquer une idéologie scientifique qu'une idéologie politique. La condition C3, consentement, suggère d'expliquer comment naît et se diffuse le consentement social. Et voilà. Bon, ce que je voulais dire, c'était que j'ai bien aimé le fait que l'idéologie, comme c'est un système organisé, ça la rend plus difficile à démasquer qu'une idéologie politique, parce que précisément, ça lui donne les atours de la science. Qu'est-ce qu'il entend par idéologie scientifique? Est-ce qu'il donne des exemples? Non. Est-ce qu'il clarifie? Bah, en fait, j'imagine qu'il entend par là... En fait, tout simplement une théorie scientifique avec les postulats, les différentes déductions, quoi. Ouais. Je pense. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense. D'accord. Donc voilà. Après, en fait, il essaie de comparer l'idéologie à la religion. Et donc, il montre quelles conditions respectent la religion, mais pourquoi elle n'est pas une idéologie. Il montre de la même manière l'utopie. Et après, il montre la théorie. Tiens. Il montre une théorie. Donc les théories scientifiques, quoi. Je me rappelais plus qu'il avait mis ça. Donc la théorie se distingue fondamentalement de l'idéologie par son absence de caractère normatif prescriptif, par le fait qu'elle ne vise pas son autoréalisation, sauf la science appliquée, et surtout par son caractère vrai. Donc voilà, il définit la théorie vis-à-vis de l'idéologie, les différences. Donc il le fait avec l'utopie, la religion, et il le fait avec la pensée partisane aussi. En fait, il voulait la différencier. En fait, oui, parce que je pense que des fois dans notre langage, on utilise pensée partisane pour idéologie. Et ouais. Lui, il montre que c'est. Enfin, il montre. En tout cas, il essaie de démontrer que c'est pas exactement la même chose, quoi. Donc, c'est l'idéologie moins ou plus certaines conditions, quoi. Donc, voilà, la question se pose de savoir si le lexique courant qui vient d'être présenté est suffisant pour décrire la réalité ou si de nouvelles formes para-idéologiques peuvent être identifiées. Et donc, il propose de nommer pensée partisane une pensée qui rencontre une forte adhésion au sein d'un groupe social déterminé par laquelle ce groupe s'oppose à un groupe antagoniste, réel ou supposé. Et dont le contenu même est biaisé par cette opposition. Donc la pensée partisane est voisine, mais distincte de l'idéologie. Voilà, après, ça demanderait trop de développement pour ça, mais voilà, il dit en gros, l'idéologie, enfin la pensée partisane, c'est l'idéologie moins les conditions 4 et 5, donc la visée à se réaliser et la légitimation du rapport de domination. Voilà comment il. Après, voilà, il est très pointilleux, il essaie de clarifier la pensée, quoi. Toujours pareil, c'est son objectif. Quoi. Ouais, alors il parle dedans du concept d'anthropocène, je crois, qui a été en plus popularisé aussi par comment il s'appelle? Latour, je crois. Ouais, si je me rappelle. D'accord. En France, en tout cas, il a été popularisé par là. Et puis en fait, là, c'est une étude étymologique où il montre que le terme anthropocène, il n'a pas été créé durant telle année, mais il a été créé durant l'URSS. En fait, c'est par l'URSS, si je me rappelle bien. Voilà, en fait, en retenant que le terme anthropocène a été créé dans les années 80 et popularisé en 2000, les promoteurs de la notion oublient un épisode important de sa formation. Et donc, en fait, ils montrent qu'il a été utilisé en URSS à partir des années 1920.
Et en fait, du coup, il en conclut qu'il manque en fait une partie, la définition du concept. Je vais aller directement sur le dernier chapitre donc, de cette partie. Et c'est concept et contingence logique, l'exemple du ghetto. Alors ça, j'ai trouvé vraiment impressionnant. En fait, il introduit un nouvel outil, enfin un nouvel outil, je ne sais pas si il est nouveau ou pas, mais en tout cas, il introduit cet outil, et qui s'appelle le tableau de contingence logique. Donc, alors moi, du coup, maintenant, je sais ce que c'est, puisque j'ai bien vu comment il l'utilise. C'est assez intuitif. Il dit que c'est proche du tableau de contingence statistique, que je ne connais pas, et du diagramme bilatéral de Carroll. Alors là, en fait, il va essayer de clarifier en utilisant ce tableau-là, en fait, la notion de ghetto. Parce que d'après lui, en fait, au début des années 2000, il y a eu, entre sociologues français, des problèmes de définition. Et du coup, il utilise les guillemets d'ailleurs pour dire que quand les sociologues utilisaient ce mot ghetto, puisqu'en fait, d'après ce que j'ai compris, la plupart l'utilisaient, mais de manière non pertinente, quoi. Et du coup, il utilise un tableau où en fait, il utilise différentes conditions. Et il les teste afin de savoir si ça peut être quelque chose qui peut être gardé pour la définition du concept ou pas. Et c'est vraiment impressionnant, hein. Franchement, j'étais un peu scié. C'est pour ça que je dis dans ma note de lecture, si les sociologues utilisaient systématiquement cet outil-là et cette méthode pour clarifier les concepts, peut-être que les canulars sociologiques seraient impossibles, en fait, parce que quand je vois la qualité du travail qui a été fourni, c'est vraiment impressionnant, c'est propre, quoi. Alors, au début, il essaie de voir si, par exemple, pour la notion de ghetto, le terme de pauvreté peut faire partie ou pas de la notion, quoi. En fait, en gros, c'est un tableau avec à quatre cases, deux entrées en haut, enfin deux colonnes de lignes. Et donc, en fait, il y a première colonne pauvreté et la deuxième colonne non pauvreté. En bas, c'est marqué ghetto, non ghetto. Donc, s'il arrive à trouver un exemple de chaque, donc c'est-à-dire un ghetto où il y a la pauvreté, un endroit qui n'est pas ghetto où il y a la pauvreté, et inversement, un endroit qui est considéré comme un ghetto avec de la pauvreté et un endroit non ghetto et non pauvreté, dans ce cas-là, ça veut dire que le mot pauvreté ne pourra pas être utilisé pour définir le concept. Du coup, il le fait pour ça. Il montre que il ne peut pas, puisqu'il existe au moins un exemple de chaque pour remplir le tableau. Il le fait de la même manière en termes d'institutions autonomes. Donc, il montre en fait qu'il y a un exemple de chaque. Du coup, alors je te cite juste un petit passage pour comprendre comment il conclut. Comme le tableau de contingence logique montre que ghetto et institutions autonomes sont des caractères indépendants les uns des autres, autrement dit, quand tout le tableau est rempli, quand il existe un exemple dans le monde de chaque, la définition de ghetto ne peut se fonder sur l'existence de telles institutions autonomes parallèles. Il fait pareil pour la périphérie. Le fait que ce soit situé en périphérie des villes. Il le fait pour la stigmatisation. Et là, précisément, il y a une case du tableau qui n'est pas remplie. Donc, c'est la case ghetto et non stigmatisation. Donc, il n'existe pas de ghetto où il n'y a pas de stigmatisation. Donc, il va garder en fait le terme de stigmatisation pour pouvoir le définir, quoi. Il le fait pareil pour la fermeture. Donc, le ghetto doit être fermé. Il montre qu'il n'existe pas de ghetto sans fermeture. La captivité, il fait partie aussi de la définition. Du coup, il le montre pareil avec son tableau. Alors, ça prend beaucoup de place, hein. C'est un chapitre qui doit faire facile 50-60 pages. Il le fait pareil pour le fait que ce soit une résidence. Donc, il faut que les personnes y habitent, quoi, et nulle part autre ailleurs. Et donc, après, voilà, il le dit. Tac, tac, tac. Comme la section précédente n'a révélé aucune équivalence entre conditions de définition et concept, la définition du ghetto doit être conçue comme la plus petite combinaison po possible des propriétés exposées. Donc, la pauvreté, l'institution parallèle autonome et l'emplacement extérieur peuvent être écartés. La ségrégation doit être définie comme fermeture, la fermeture comme captivité. Donc, il reste trois conditions: stigmatisation, résidence et captivité. Et donc, il en conclut: la définition du ghetto découle de ce qui précède. Un ghetto est un lieu de résidence exclusif et permanent, en dehors duquel, sous peine de sanction, les individus sont privés de leur liberté de mouvement en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à une catégorie sociale stigmatisée. Et donc il dit, malgré son caractère contraignant, cette définition s'applique à une variété de situations éloignées du type historique du ghetto de Venise. Et après, du coup, il montre
toute une série historique de phénomènes qu'on peut qualifier comme ghettos. Et il est décrit. En fait, il utilise la méthode taxonomique après pour classer les ghettos, quoi. Et en fait, il crée des graphes comme ça. Et il montre à quelles conditions on peut en rajouter d'autres également. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Donc voilà, après, c'est avec des pondérations, des choses à l'aide du tableau qu'il avait précédemment fait, quoi. Donc cette partie-là, elle est vraiment bien faite. Et puis en fait, c'est assez accessible, quoi. En fait, si on fait un petit peu l'effort, c'est largement compréhensible. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de notions de mathématiques pour pouvoir comprendre, contrairement à d'autres qui vont arriver après. Et donc la conclusion est la conclusion, bah, je pense que tu as. J'ai apprécié, je pense que tu vas l'apprécier aussi. Donc il dit, parmi les qualités manifestes de cette approche, le tableau de contingence logique est facile à utiliser, donne des réponses univoques et atteint donc le but proposé, clarifie les notions sociologiques trop confuses pour être utilisées en l'état. Quand on sait les polémiques qui ont lieu à la fin des années 2000 entre sociologues français à propos des ghettos des banlieues françaises, on rappellera qu'il ne peut y avoir d'entente possible tant que les auteurs refusent d'employer des définitions et campent sur le sens personnel qu'ils attribuent à une notion. La seule façon de procéder est d'élucider la notion en justifiant pas à pas toutes les opérations effectuées. Dès lors, la notion peut être définie et accéder au statut de concept. Étant basée sur des méthodes objectives et explicites, les méthodes utilisées dans ce chapitre, donc tableau de contingence logique et méthode cladistique, peuvent contribuer à la compréhension mutuelle des sociologues. Donc là, c'était la fin de la première partie. Donc, Ok. sur les manières d'en faire des concepts établis, clairs, etc. Donc on arrive à la deuxième partie, donc c'est les programmes. Donc pour lui, une science fondamentale s'attache à développer des programmes de recherche cohérents. Et il en montre quelques-uns, quoi. En gros, il va montrer alors la sociologie de l'agrégation et non communautivité. Donc c'est-à-dire la sociologie qui étudie les phénomènes agrégatifs de comportement et pourquoi des fois certains effets sociaux semblent paradoxaux au vu des comportements individuels, alors qu'en fait, c'est le résultat d'une agrégation qui fait bah, presque dire des phénomènes émergents, quoi. Alors là, c'est beaucoup plus technique. Donc déjà, bon, il explique un petit peu le concept d'agrégation. Donc il remonte à Rousseau, Condorcet. C'est de là que ça part. Et en fait, il résout un paradoxe. Alors c'est là que... En fait, il explique que le paradoxe apparent, donc un paradoxe de Condorcet, n'est finalement que apparent, puisque ce n'en est pas un. Et là, par contre, c'est des développements mathématiques un peu plus compliqués, à base de matrices. Alors, il y en a certains que j'ai compris, d'autres pas du tout. Bon, je n'ai pas une formation en maths, quoi. J'ai mon bac S. Ça ne me permettait pas d'aller forcément plus loin. Là, il faudrait voir avec peut-être d'autres sociologues pour voir si ça. Bon, après, vu la rigueur dont il fait preuve, je pense que je peux lui faire confiance, mais. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur ce chapitre-là, hormis que bah, ça a l'air d'être un programme de recherche qui est bien implanté, qui produit des résultats robustes, qu'il est toujours fécond, quoi. Il y a aussi des physiciens qui s'intéressent à ça. D'accord. Ouais, moi j'avais fait un tout petit stage quand j'étais en licence pour étudier des phénomènes simplement de formation de groupes vraiment dans un espace physique, quoi. C'est-à-dire, par exemple, une grande salle dans lequel tu as un certain nombre de chercheurs dans une conférence scientifique, et puis tu vois la distribution des tailles des différents groupes de gens qui discutent les uns avec les autres. Mais bon, je pense que c'était un peu les débuts de ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis dans ce champ-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai suivi du tout depuis. Mais effectivement, on trouvait déjà encore les lois de puissance comme. Non, beaucoup D'accord, ouais. d'autres endroits. Encore ici, quoi. On en avait déjà parlé, je crois, la dernière fois. Mais ces lois de puissance qu'on retrouve un petit peu partout. Enfin, il me semblait, hein, Oui, si je me rappelle bien. oui, Il dit la littérature philosophique sur l'émergence est globalement partagée entre les deux thèses de l'émergence épistémologique. Thèse faible qui ne parvient pas à assurer l'autonomie des sciences de niveau supérieur, et l'émergence ontologique, thèse forte qui fait appel à une causalité descendante qu'il est difficile d'illustrer empiriquement. Sachant que les deux thèses partent de la même définition de l'émergence par la causalité descendante, une voie prometteuse pour sortir du dilemme est d'abandonner le concept de causalité descendante
et de définir l'émergence exclusivement à partir de la dépendance et de l'irréductibilité. Voilà, donc après, en fait, il se positionne vis-à-vis de l'émergence ontologique, quoi. Donc, dans le deuxième chapitre des programmes, il parle de la sociologie des réseaux de distribution. Alors, je l'ai écrit en plus dans ma note de lecture. En fait, c'était à la base une sociologie des réseaux de diffusion et qui a été appliquée aux innovations. Et donc, et pour lui, en fait, il me semble bien, c'est carrément une enclave scientifique pour la sociologie avec des résultats scientifiques très forts, quoi. Enfin, c'est très intéressant. Et voilà, pour lui, c'est ce que compte. Ces résultats comptent en sociologie parmi les plus robustes qu'elle ait pu produire, quoi. Donc, voilà. Alors, tac, tac, tac. La sociologie de la diffusion des innovations utilise des modèles connus en dynamique des populations, en épidémiologie, en économie, et depuis le début des années 2000, en physique statistique. Or, il est indiscutable que, à l'exception peut-être de l'économie, dont une partie repose sur des a priori idéologiques, toutes les autres disciplines ont un statut de science. Or, la sociologie de la diffusion des innovations n'applique pas ces modèles d'une façon différente. La sociologie de la diffusion constitue donc une enclave scientifique à l'intérieur de la sociologie générale, dans laquelle il existe une propension plus grande qu'ailleurs à produire des résultats scientifiques, fondés sur des données empiriques et ouvrant à des explications théoriques. Donc, pour lui, c'est un programme de recherche qui est fécond. Et en fait, elle arrive à expliquer la diffusion de certaines technologies. Et je crois même qu'à un moment, il parle de la diffusion d'idées. En fait, on peut l'appliquer aussi à pas seulement aux innovations, quoi. Donc, c'est un chapitre qui est intéressant. Pareil, faut avoir une formation mathématique pour pouvoir suivre parce qu'il pousse assez loin les développements. Et bah après, il montre comme ça que la sociologie est mathématisable aussi, quoi. Et que une fois les concepts bien définis et mathématisés, on peut le faire, quoi. Voilà, donc il conclut cette partie en disant donc la formalisation n'a pas rencontré de problème particulier et cela suggère une observation de portée générale. Toute question peut faire l'objet d'une analyse scientifique pour autant que soient remplies les deux conditions suivantes. 1. Que le chercheur veuille bien introduire dans l'étude sociologique des concepts analytiques permettant la formalisation, la prédiction et test expérimental. Et 2. Que les bases conceptuelles du problème soient claires, ce qui est le cas ici puisque la question posée est au croisement entre la sociologie de la diffusion des innovations et l'analyse des réseaux, deux enclaves scientifiques de la sociologie qui relèvent d'une épistémologie normale, donc non dérogatoire, c'est-à-dire d'une épistémologie scientifique telle qu'elle est pratiquée dans les autres sciences, quoi. Pas comme, à l'inverse, passeront réfuter l'existence, quoi. Voilà, je ne sais pas si tu connais, toi, la sociologie des réseaux et des diffusions d'innovation. Je ne sais pas si tu as entendu parler ou pas. Non. Pas vraiment, non. Non. Donc voilà, après, il présente ce programme, quoi, donc... D'accord. Bon, ce serait intéressant d'aller jeter un coup d'œil, surtout s'il y a des calculs. Alors, c'est vrai quand on découvre ces deux chapitres et que des fois je peux comparer à ce que j'ai pu lire en sociologie, même par exemple Raymond Aron, les étapes, enfin, tout ça, les étapes de la pensée sociologique, tout ça. C'est vrai que on a l'impression de voir deux sociologies entièrement différentes, quoi, puisque en fait Raynaud il montre une sociologie qui est mathématisé, clair, et en tout cas tel qu'il la présente. Après, ce n'est pas forcément ses travaux. Et quand je vois un rayon sociologie, par exemple la Cultura ou d'autres, ou FNAC, en fait, je ne vois aucun bouquin de ce type, absolument aucun. En fait, j'ai l'impression que la sociologie, bon, après, j'imagine qu'il y a des travaux qui sont plus rigoureux que d'autres, bien sûr, mais en fait, je pense pas qu'on se représente ce que c'est tel que Raynaud le montre, quoi. Du coup, je ne sais pas si ça participe du fait que la sociologie soit toujours non reconnue comme science ou toujours à la limite. Parce qu'une fois qu'on sort de cette lecture, en fait, on n'a plus du tout la même vision de la sociologie commune, quoi, qu'on lit, quoi. Et même quand je me réfère à des personnes comme Raymond Aron ou d'autres que j'ai pu lire, c'est totalement différent, quoi. J'avoue que ça scie un peu, quoi. Alors je me demande, et c'est ce que je reproche aussi légèrement à Raynaud dans le livre, c'est de ne pas quantifier, en fait, de pas dire qu'est-ce que ça représente, en fait, en nombre de travaux vis-à-vis du nombre de travaux global.
pour savoir si c'est vraiment quelque chose de très limité ou si on a beaucoup, ou si alors il y a vraiment deux sociologies, quoi. La sociologie du sens commun qu'on trouve en magasin et puis une sociologie qui est seulement pratiquée par les revues à comité de lecture et puis avec, avec un grand niveau de rigueur, quoi. Là-dessus, je... C'est marrant, quoi, parce que je me faisais la réflexion, je vais aller dans le magasin, je regardais les livres et j'en voyais aucun comme ça, quoi. Alors si, peut-être, j'ai vu du Raymond Boudon qui était peut-être un peu plus porté sur, sur ça, mais autrement, c'était vide, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose qui est pratiquée dans les labos de recherche et ce qui est vendu au public, mais ouais, enfin, même dans la sociologie académique, on sait qu'il y a une certaine quantité de choses qui sont très. Justement, en fait, très idéologique. Enfin, je ne sais pas si j'utilise ce terme de la bonne manière dans la Du coup, terminologie de Renan, mais ouais. ou au moins très partisane. Mais ceci dit, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont plutôt sérieuses et intéressantes sans être très Non, bien sûr, ouais. formalisées, mathématisées. Et il faut aussi se méfier un petit peu de. Je m'attends à ce que Renaud soit pas, enfin, défende pas l'idée qu'il faut beaucoup de maths pour que la sociologie devienne scientifique. Enfin, il faut forcément, tu vois, des trucs, des formalisations du même tonneau que celles qui ont eu lieu en physique, par exemple. Il y a eu un bouquin, je sais pas si tu as vu passer. Enfin, en fait, on a interviewé l'auteur sur le podcast, Pablo Jensen. Qui est un physicien qui a écrit le livre Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation? Je crois que c'était le titre. Et D'accord. lui, après un certain nombre d'années de travaux consacrés aux matériaux, où justement cette approche marche bien dans laquelle on part des propriétés fondamentales des constituants, et puis on connaît leurs interactions, on en déduit les comportements des systèmes où il y a un grand nombre de constituants qui interagissent. Ça marche très bien. Mais di lui C'est disait, vrai. bon, j'ai essayé un peu de faire la même chose avec les groupes humains, et ça marche pas très bien. Il faut se méfier de l'hubris mathématique des physiciens. Et je pense qu'il a assez raison. Mais je pense qu'une partie du problème vient du fait qu'effectivement, ça peut venir d'une certaine naïveté, quoi, des physiciens, une certaine méconnaissance des problèmes Oui, auxquels ils ils sont font confrontés en attache. sociologie, quoi. Mais bon, je ne mets pas non plus une interdiction, évidemment. Alors, c'est Cette marrant ce que tu viens de dire, parce approche-là. qu'en fait, ça me rappelle un... Ah, je t'ai peut-être coupé, pardon. Tu voulais peut-être aller plus loin. Enfin, je disais que je ne mets pas forcément enfin, je mets pas du tout une interdiction aux approches plus formelles, logiques et mathématiques à la sociologie, au contraire, mais disons que ça doit pas être. Enfin, le fait qu'il y ait une forte utilisation des mathématiques, il faut se retenir de l'utiliser comme un critère de scientificité, Oui. entre guillemets, parce que c'est trop grossier, quoi. Non, c'est clair. Je pense que tu as raison. Mais c'est à la lecture du Oui. livre, quoi. Ça Oui. bouscule un peu, quoi. Tu dis, putain, mais Ouais. en fait, ça existe carrément, quoi. Tu vois. Et en fait, Ouais, je ça me fait comprends. penser à un poste de Vinteuil avec qui tu avais débattu. Personne. Ouais, enfin, c'est Vinteuil, ça se prononce Vinteuil, Et alors, en fait, il a Plaido, posté essai. un tweet intéressant récemment, là. D'accord. C'était lié en fait au comme quoi il y aurait pas mal d'études en biologie qui seraient plus réplicables. Je sais pas Ah si, oui. si tu l'as vu passer. Et en fait, il avait réagi là-dessus et j'ai trouvé son tweet intéressant. En fait, il expliquait bah, donc il faisait un rapport avec la biologie, bon, peu importe. Et après, il parle de la socio. Et là, en fait, Vinteuil il dit bah, il y a trois manières de réagir, quoi. Il dit soit on réagit comme passeron, et il dit bah, dans ce cas-là, on considère que la sociologie a effectivement une épistémologie à part, voilà, qui n'est pas le même que celle des sciences fondamentales qu'on connaît par ailleurs. Et après, il dit en deux, il y a l'idée, il y a comme, c'est de restreindre la sociologie et quitte à supprimer des travaux qui ont été faits, à les enlever de la sociologie.
pour la coller au plus près des sciences telles qu'on les connaît, et quitte à supprimer, voilà, quitte à enlever une partie des travaux pour pouvoir parler d'unité des sciences. Et il dit, c'est un peu la position à la Reynaud. Il parle de Dominique Reynaud-Vinteuil. Et après, il donne une troisième, il donne une troisième option qui est de dire que, en réalité, les résultats des autres sciences, physique, bio, sont aussi fragiles que celles de la socio, que ceux de la socio, tu vois. Et du coup, lui, alors, bah, Vinteuil, d'habitude, il se positionne pour Passeron, d'après ce que j'ai compris, deux, trois fois où j'ai pu le lire. Et sur ce moment-là précis, il se disait, en fait, il voulait considérer les résultats des autres sciences comme aussi fragiles que ceux. En fait, que tous les résultats scientifiques seraient fragiles par essence. Et donc, il se positionnait là-dessus. En fait, c'est marrant qu'il parle de Reynaud parce qu'il dit Reynaud veut circonscrire la sociologie à ça. Mais en réalité, non, puisqu'en fait, il dit précisément qu'il ne veut pas être normatif et qu'il tourne vers les régimes de possibilités. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, il n'essaye pas de supprimer la sociologie qui ne correspond pas aux critères de sociologie. Il dit juste que on peut très bien faire les deux, quoi. Voilà, j'ai juste rebondi là-dessus parce que je savais que tu avais débattu avec lui, c'était plutôt intéressant. Ça, c'est en réaction aussi. Il y a une étude récente qui indique que quand on regarde les taux de réplication d'études, d'un côté, il y avait la psychologie et de l'autre, il y avait la biologie du cancer, en fait. Ils trouvaient des taux de réplication similaires, voire légèrement plus élevés en psychologie qu'en biologie du cancer. Enfin, j'ai un peu réfléchi comme ça dans ma tête, mais je n'ai pas réagi publiquement. C'est intéressant. Mais tu sais, en fait, je dirais qu'en termes de fiabilité, vraiment pour utiliser un terme un peu plus peut-être sanctionnant, en quelque sorte, en termes de fiabilité des résultats au sein même des sciences naturelles, il y a quand même une grande variabilité. Et enfin, la biologie du cancer, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui est important, encore une fois, pour l'humain. C'est quelque chose où les enjeux sont forts. Il peut y avoir des incitations, on va dire, à faire à prendre des raccourcis dans son travail ou à présenter ses résultats de manière un petit peu, comment dire, sous une lumière un peu plus favorable que. Qui serait raisonnable de le faire. Et c'est pas parce que j'ai parlé de certains problèmes qui sont assez gênants pour les sciences sociales que j'estime que en sciences naturelles il y a aucun souci. Effectivement, ça c'est un souci quoi. Ces incitations dans des champs comme cela trouver des résultats qui semblent prometteurs. Tu penses à un exemple précis ou Ben, spécifiquement celui-là, je pense que justement la biologie du cancer, ça va être un champ dans lequel les incitations à trouver des choses prometteuses ont de bonnes chances parfois inciter certains chercheurs à rendre le résultat un peu plus sexy Ah, d'accord. qu'ils ne le sont vraiment. Et en fait, ces incitations existent en fait dans tous les champs, même ceux extrêmement fondamentaux de la physique, pour d'autres raisons, par exemple le fait de devoir publier pour faire carrière, etc. Ça existe et j'en avais parlé avec Vinteuil et j'avais dit qu'effectivement, c'est un problème. Mais c'est pas pour ça que les problèmes dont j'ai parlé en sciences sociales n'existent pas. En fait, ces problèmes en sciences sociales, ils viennent se cumuler avec les problèmes plus liés à l'idéologie dont j'avais parlé. Mais effectivement, oui, je pense que ces problèmes d'incitation vont être plus sévères, entre guillemets. Si on reste aux sciences naturelles, ils vont être plus sévères dans les champs qui se rapprochent de la médecine que D'accord. dans des champs comme, je sais pas,
des choses beaucoup plus fondamentales ou aux applications beaucoup plus indirectes, quoi. Ça D'accord. c'est Ouais, clair. ce serait en fait un continuum, quoi. En fait, à Oui, chaque c'est fois, toujours entre... des continua, en fait. Je pense que à peu près tout, à peu près tout dans la vie, enfin, et même des choses non vivantes, d'ailleurs, à peu près tout est des continua. C'est marrant parce que autre sujet total, j'ai lu le livre de Carlo Rovelli là, et sur la physique quantique, quoi, les interprétations. Et donc lui, il affirme que la réalité est granulaire et donc discrète, quoi. Et pas continue. Mais ça me Oui, rappelle alors juste ça, voilà, après, c'est une digression, mais oui. D'ailleurs, en disant ça, je me disais, mais quand bon. même, en mécanique quantique, justement, on apprend que, au contraire, quand on va au niveau ultra fondamental des choses, tu commences à avoir des phénomènes discrets, complètement à l'opposé des phénomènes continus. Je Je pense que tu as pense que raison. ce Je pense que serait, ça. oui. Je pense que plus l'objet s'approche de plus l'objet étudié est proche de l'homme, ou plus il touche, plus c'est susceptible de parasitage par l'idéologie, quoi. Oui, ça, Ça me semble. ouais. Enfin, ça me semble. Ça me semble. Enfin, comment je pourrais dire ça? Enfin, pas simple, mais évident, quoi. Bon, après, c'est une évidence. L'évidence, il faut toujours les questionner, mais ça me paraît Ouais, mais évident. je pense que c'est difficilement contestable et ça. D'ailleurs, je pense que la plupart des sociologues seront d'accord, hein, et Vinteuil, il n'avait pas spécialement contesté, il avait contesté, disons, ce que j'en déduisais, quoi. Pour lui, les déductions que j'en faisais étaient un peu trop fortes. D'accord. Mais tu sais, paradoxalement, il attaque pas Reynaud vraiment, hein. En fait, il prend acte du fait que Reynaud souhaite la circonscrire, ce que je réfute parce qu'il ne veut pas forcément la circonscrire, mais après, je vois ce qu'il veut dire, quoi. Effectivement, il pense qu'une sociologie scientifique est possible. Donc après, il ne le critique pas, il dit juste que c'est une des positions. Il ne fait pas preuve de mauvaise foi là-dessus, quoi, du tout. Pour ajouter encore un truc là-dessus, je sais pas de cette étude sur la réplicabilité des résultats des études de certaines disciplines, je ne sais pas quelle période elle utilise pour établir son corpus, parce que Alors là, j'ai pas lu du tout, hein. la psychologie a fait face à une crise de la réplication il y a un certain temps déjà, et ça a été à ma connaissance l'une des premières, voire la première discipline à vraiment se rendre compte de ça. Donc si les données sont intégrées sur la période récente, effectivement, la psychologie a essayé quand même dans une certaine mesure de se réformer, si on veut dire, pour essayer d'améliorer. Donc l'autre programme de recherche qu'il analyse, c'est le programme de recherche lié à la physique statistique. Donc ce serait en fait la physique statistique. Donc il me semble que c'est tu dois mieux connaître que moi la physique statistique. C'est quoi? C'est une physique qui est J'espère. appliquée en fait à un certain nombre d'atomes sur Ouais, c'est ça, si on non? veut. C'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure quand je parlais de Pablo Jensen. La physique statistique, c'est une branche de la physique où effectivement on décrit les propriétés d'un grand nombre de constituants, typiquement des atomes, oui, dans un grand nombre de cas. Donc on renonce à décrire individuellement le comportement de tous les atomes un par un, mais on peut faire des prédictions d'ensemble en utilisant certaines lois. Eh bien, merci de cette définition, parce qu'en fait, c'est ça appliqué aux systèmes sociaux, quoi. Du coup, il fait un historique en fait, de la physique statistique appliquée aux systèmes sociaux. Enfin, il a vu un premier rapprochement dans un article qui est publié entre 1933 et 1937. Puis après, ça a pris un peu d'ampleur. Et puis, il y a beaucoup de travaux par Stanley 2000, Stoffer 2004, Stoffer 2009. Il parle beaucoup de Barabasi et Albert en 99 aussi. Donc c'est des travaux qui sont beaucoup cités. Et donc ils utilisent justement cette analogie entre le grand nombre d'atomes et le grand nombre de personnes, quoi. Et les résultats, bah, semblent robustes. À un moment, il essaie d'expliquer en fait
les similitudes et les différences que tu peux avoir entre les deux sciences, quoi, entre la physique statistique normale et la physique statistique appliquée à la sociologie, quoi. Donc, selon lui, les similitudes sont le passage d'états microscopiques à des états macroscopiques, l'incertitude au sujet des comportements élémentaires, molécules, individus. Et pour lui, les différences sont le caractère intentionnel des conduites humaines, le nombre de variables explicatives utilisées, grand en sociologie et plus restreint en physique. Il donne l'exemple, les variables démographiques pour la socio, ethnique, religieuse, idéologique, etc. Et plus restreint en physique, énergie, vitesse, quantité de mouvement. Et la taille des groupes. Donc la taille des groupes, c'était 10 puissance 22 molécules par litre de gaz et quelques centaines à quelques milliers d'individus dans les études en sociologie, de physique, statistique. Bon, après, il dit que les physiciens sont bien conscients de cette limite. Bon. Donc voilà. Alors lui, ce qu'il défend aussi que, en fait, ce développement de la physique statistique appliquée aux systèmes sociaux, en fait, bouleverse un peu la sociologie, selon lui, et brouille les partages disciplinaires auxquels les sociologues sont habitués. Et auxquels ils tiennent souvent. Comment, ok, ils tiennent. Donc après, enfin, il étudie la robustesse, la disciplinarité, etc. Et donc, en fait, il trouve que la sociologie, la physique statistique appliquée à la sociologie donne des résultats nouveaux et robustes. Donc, il le montre, pareil, ce serait trop long de s'étendre. Voilà, bon, voilà ce qu'il dit, retour sur les épistémologies sociologiques liées à la confrontation. Donc, déjà, les physiciens statisticiens obtiennent des résultats robustes en sociologie en utilisant des lois et des concepts analytiques quantitatifs qui violent à peu près intégralement tous les principes des épistémologies sociologiques. Donc, par conséquent, ces dernières sont, en dépit de leur pluralisme affiché, des épistémologies normatives. Donc, il essaie de montrer que les épistémologies spécifiques données par certains sociologues pour essayer de donner un statut d'exception à la sociologie, en réalité, sont normatives et empêchent la sociologie réelle de se développer. Et la physique statistique montre ça, puisque, en réalité, tout ce qu'ils ont montré se trouve réfuté par ça, quoi. Donc, il dit, voilà, l'épistémologie sociologique dominante ne sort pas indemne de l'épreuve que lui fait subir la comparaison avec la physique statistique exotique. Toute normativité doit être suspendue, selon lui, puisque toute normativité va empêcher les chercheurs d'appliquer telle ou telle méthode et va les restreindre dans leur choix. Et donc, pour lui, dans la sociologie, il y a une certaine forme de liberté à appliquer des méthodes ou pas. Elles ont beaucoup participé au fait que la sociologie puisse rester une enclave, quoi. Donc, en conclusion, il dit, cette étude a mis en regard les obstacles que rencontre la physique statistique dans son projet d'étudier les systèmes sociaux et les difficultés des épistémologies normatives qui veulent circonscrire trop étroitement le périmètre de la sociologie. Et après, il dit, on voit aussi ce qu'il y a d'arbitraire à ne pas être curieux des résultats obtenus par la physique statistique exotique. Il ressort de cette étude que le style d'analyse scientifique est loin d'être déterminé par l'objet étudié et que l'on peut, dans l'analyse du social, recourir à des pratiques heuristiques variées. La rigueur est le prix de cette liberté. Voilà sa conclusion sur la physique statistique. La rigueur est le prix de cette liberté. Qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qui n'est pas rigoureux alors? Bonne question. En sachant qu'avant, il dit. En gros, j'imagine qu'il veut dire par là qu'il y aurait des résultats rigoureux qui sortent en physique statistique et des personnes veulent ne pas le voir, peut-être. Et du coup. Je sais pas, je t'avoue, le rigueur et le prix de cette liberté. Je vois pas la façon dont. Voilà. Bon. En tout cas, ça reste dans ce qu'il appelle son possibilisme. Et donc, selon lui, il faut pas essayer de circonscrire les chercheurs en sociologie, puisque en fait, quand ils vont voir du côté de la physique statistique ou d'autres, ils produisent des résultats féconds. Et que du coup, selon lui, toute normativité doit être suspendue. Et d'ailleurs, en fait, il se l'applique à lui-même. Quand il dit toute normativité, à l'inverse, donc ceux qui donnent une. Que ceux qui veulent donner un statut d'exception à la sociologie, il leur dit non, c'est pas possible, toute normativité, il se la suspend à lui-même, quoi. Donc en gros, même quand on peut appliquer des méthodes mathématiques et physiques aux systèmes sociaux, lui-même se dit l'autre sociologie existe aussi, on suspend la normativité, quoi. La phrase la rigueur et le prix de cette liberté, j'avoue, je suis comme toi, je sais pas trop Perplexe. comment l'interpréter ici. Et donc Ouais, après, il en arrive à ouais. un gros, voilà, le plus intéressant selon moi dans les programmes. Donc c'est la sociologie expérimentale. Donc il fait un rappel en fait historique sur l'expérience. Il rappelle que Durkheim s'était plus ou moins positionné en disant que la sociologie ne pouvait pas être une science. D'autres auteurs et il dit, en fait, fut une époque c'était peut-être le cas, mais maintenant ce n'est plus le cas. Et en fait, il procède à une analyse des
comment on appelle ça? Une revue de littérature, en gros, sur l'expérience en sociologie. Et il va définir une typologie des expériences qu'on peut en trouver. Il établit, alors, selon lui, il y a la première, ce qu'on appelle les fausses expérimentations, les expérimentations sociales. Alors, c'est un peu long, quoi, ça va être dur à décrire comme ça. En deux, il définit pseudo-expérimentations. Et pour lui, par exemple, les sondages d'opinion sont des pseudo-expérimentations. Alors, si je me rappelle bien, c'est parce qu'en fait, celui qui fait le sondage ne teste aucune enfin, il ne teste aucune hypothèse scientifique. Et ça a un but d'utilité, quoi. Du coup, ce serait pas, pour lui, c'est une pseudo-expérimentation. Il y a l'expérimentation indirecte, les déterminants du suicide. Donc, ce serait l'observation, il me semble. Donc, il reprend l'exemple de Durkheim ce sont les déterminants du suicide. Donc, pour lui, ce serait une expérimentation indirecte. Il trouve une quasi-expérimentation, donc dans une étude sur le relogement des familles pauvres en 1940. Je passe les détails parce que c'est assez long. Il montre une expérimentation contrôlée, donc on en revient à la diffusion des informations, ce qu'on disait tout à l'heure, dans le programme de recherche sur la diffusion. Et il parle d'une expérimentation en laboratoire, la genèse de la solidarité sociale. Et donc, sa conclusion intéressante, il dit la critique des travaux de sociologie expérimentale est le lot même de la démarche scientifique. Donc en fait, il essaie de montrer que les personnes qui se positionnent contre l'expérimentation ou qui prétendent qu'elle n'existe pas, en réalité, ils font pas le job parce qu'il y en a qui existent et elles sont critiquables, comme la totalité des expériences qu'on peut voir en science. On peut y trouver des défauts, des qualités. Et en fait, il procède à cet examen-là. Donc, il dit, on ne sait rien absolument, on sait avec plus ou moins de certitude relativement à un certain état de l'art. Cette critique régulière des résultats scientifiques et des conditions dans lesquelles ils sont produits est à même de faire voir les forces et les faiblesses d'une étude expérimentale. Et a pour vocation principale de susciter d'autres recherches pour répondre aux questions irrésolues. Évaluative et constructive par nature, cette critique est sans rapport avec les objections a priori examinées dans la première section. Je vais y revenir. Il s'ensuit un critère immédiat pour savoir si une critique de l'expérimentation est du premier ou du deuxième type. L'anti-expérimentaliste doctrinaire se reconnaît au fait qu'il ne se livre jamais à la critique circonstanciée des travaux expérimentaux existants, préférant croire que la sociologie expérimentale n'existe pas ou ne peut pas exister. La faiblesse des arguments anti-expérimentalistes montre à nouveau qu'en science, l'important n'est pas d'avoir des arguments, mais d'en avoir des bons. Et du coup, voilà, c'est assez marrant à la fin. Et en fait, j'en suis directement venu aux typologies des expériences. Mais en fait, avant, il examine les arguments anti-expérimentalistes. Donc, bon, il sort un peu, je crois qu'il parle de Passeron, donc il en sort un peu les classiques, quoi. Et en fait, dedans, il attaque, enfin, il attaque, je ne sais pas si on peut appeler ça une attaque, mais il cite Bronner au titre des personnes qui sont anti-expérimentalistes. Donc là, c'est le premier endroit qu'on voit arriver. Et il cite son livre, donc le livre de Bronner, qui est le danger sociologique, donc qui est un livre d'épistémologie des sciences sociales. Je crois que tu en as peut-être parlé dans ton podcast. Oui, on avait interviewé Bruno à son Ok, propos. c'est assez étonnant parce qu'en fait, Bronner en plus cite Dominique Reynaud dedans. Et puis en fait, D'accord. il cite son bouquin, bah, tu sais, le premier dont on a rendu compte là ici, La Oui. sociologie et sa vocation scientifique, qui a été édité par Bronner aux éditions Hermann. Et en fait, il le critique au prétexte que on peut utiliser en sociologie le raisonnement expérimental, mais pas d'expérience au sens strict. Et en fait, c'est marrant parce que c'est l'idée par laquelle commence Reynaud et défend l'idée que l'expérience est possible en sociologie dans son premier bouquin. Mais Bronner dit, on peut utiliser le raisonnement expérimental, même si on rappelle bien, même si l'expérience n'est pas effective. Et du coup, comme il s'appelle Reynaud, le cite comme faisant partie des sociologues qui sont anti-expérimentalistes. Alors, je trouve qu'il va un peu fort parce que. Parce que Bronner en fait acquiert son argument du le raisonnement expérimental est possible. Donc entre les deux, parce qu'en plus dans le livre, il montre un exemple d'expérience. Donc je ne sais pas dans quelle mesure Gérald peut être quelqu'un anti-expérimental, quoi. Ça me paraît un peu fort. Et donc là, c'est la première critique qu'il fait de Bronner dedans. Il y en a une un petit peu plus loin qui sera un peu plus corsée que je lirai, que j'ai trouvé un peu étonnante, mais cela dit, c'est argumenté, donc c'est à regarder avec attention. Et donc, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il
ce qui est intéressant, plus que marrant d'ailleurs, c'est qu'il dresse une typologie des sociologues anti-expérimentalistes. Je vais lire le passage parce qu'il est vraiment pas mal. Et il montre que les arguments anti-expérimentalistes sont erronés pour la plupart. Donc je vais lire, ce sera plus simple. Donc, l'analyse interne et la confrontation à quelques travaux de sociologie expérimentale montrent que les arguments anti-expérimentalistes sont défaillants. Donc, ils sont conceptuellement confus, donc il renvoie là où il démontre ça, sont contredits par l'expérience, reposent sur des prémisses fausses, sur des contresens ou sur des raisonnements circulaires. Par ailleurs, comme ces arguments correspondent peu à la réalité des recherches de terrain, ils ne parviennent pas à saisir les motifs pour lesquels la sociologie expérimentale est encore peu développée. Les raisons, probablement multiples, sont ailleurs. La formation littéraire d'une grande partie des sociologues, le manque d'entraînement à la méthode expérimentale sont des facteurs de ce type. Il existe aussi des motifs d'arrière-plan qui permettent de comprendre pourquoi la sociologie expérimentale reste une orientation secondaire de la sociologie française actuelle. Elle connaît de nombreux opposants, au nombre desquels, alors c'est là que j'ai trouvé le passage intéressant. Alors, la typologie, le 1, ce serait le sociologue classique, gardien du temple, qui considère que la sociologie expérimentale est illégitime du fait qu'elle a été jusqu'à présent peu représentée en sociologie, dans la tradition sociologique. Celle-ci expose la sociologie au risque de devoir évoluer dans des régions éloignées à des textes fondateurs, ce qui est une source d'insécurité psychologique. Ça, c'est le premier sociologue classique. 2, le sociologue intellectuel, qui voit dans la sociologie expérimentale une menace directe à sa liberté d'expression. Si la méthode expérimentale est capable de séparer le vrai du faux, beaucoup d'affirmations proférées du haut de la chair risquent de tomber dans le faux. L'auteur lui-même risque alors de passer pour un charlatan. 3, le sociologue irrationaliste, c'est là marrant, nourri d'un spectre large de doctrines anti-scientistes, de la théorie critique de Horkheimer et Adorno, au relativisme anti-intellectualiste d'un Latour, par exemple. Par principe hostile à la raison, rendu coupable de tous les maux de ce siècle, le sociologue irrationaliste combat tout ce qui pourrait favoriser la production des connaissances scientifiques dans le champ de la sociologie. Et enfin, il en a un dernier, c'est le sociologue politique, dont la sociologie expérimentale réduit les marges de manœuvre. Il est plus facile de fonder l'action politique sur des considérations idéologiques qui, découlant de visions contradictoires, peuvent justifier à peu près tout que sur des travaux expérimentaux qui prescrivent clairement certaines actions et en proscrivent d'autres. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant cette typologie. C'est dommage qu'il ne cite pas de nom, mais bon, dans sa volonté de, je suppose, de ne pas faire de drama ou j'en sais rien, il n'en cite pas. Mais à part Latour, parce que bon, historiquement, il l'a toujours dans controverses scientifiques, il l'attaque directement. Donc voilà. Et donc après, il dit, en définitive, les arguments anti-expérimentalistes se reconnaissent à leur extrême généralité et à leur absence de contact avec les recherches expérimentales, alors que toute expérimentation peut et doit faire l'objet d'une critique détaillée. De plus, si certains arguments étaient encore recevables à l'époque de Comte ou de Durkheim, parce que la sociologie expérimentale était encore balbutiante, ce n'est plus le cas aujourd'hui qu'une vaste littérature a été constituée. Et n'ignorons donc pas que les thèses anti-expérimentalistes sont souvent portées par l'ignorance, la peur de l'autre, la défense du précaré, quand ce n'est pas l'obscurantisme. Voilà la conclusion de ça, quoi. Alors, je sais pas ce que tu en penses, la typologie, si elle te parle, si elle te parle pas du tout. Elle me parle, elle est peut-être un peu méchante, mais elle me parle. Ouais. Je pense que les différentes catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Oui, ça se recoupe souvent, je pense aussi. Je reconnais. Ouais. Je pense que oui, il y a certaines personnes qui appartiennent à plusieurs. Pour ma part, je trouve qu'elle est. Je trouve qu'elle me parle. Je pense qu'elle décrit. Elle décrit une partie de la réalité, au moins. Alors après, est-ce que tout sociologue rentre dedans? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des angles morts ou des choses comme ça. Mais après, oui, je trouve qu'elle est parlante parce qu'on en voit un nombre de, par exemple, des sociologues à la télé, ne serait-ce que sur CNews, là, Mathieu Bock-Côté, par exemple. Je trouve qu'il utilise son statut de sociologue assez souvent pour justifier des choses. Donc peut-être qu'il pourrait rentrer dans la case sociologue intellectuel ou politique. Mais est-ce qu'il est même sociologue, ce gars-là? Bon, en tout cas, il se déclare comme tel, et c'est souvent sociologue et essayiste, des choses comme ça, quoi. Je viens de vérifier. Donc après, quand il parle des fois et qu'on le présente comme sociologue, c'est un petit peu c'est tendancieux aussi, quoi. Parce que du coup, ce serait un petit peu utiliser son statut sociologue pour essayer de faire passer des idées, quoi. Alors après, j'en ai pris un comme ça à tout hasard. Hein. Je ne dis pas que je l'aime pas ou que je l'aime bien, mais. Mais disons qu'on peut peut-être le faire entrer dans cette typologie, quoi.
Ah oui, je pense aussi. Je pense aussi. Il est loin d'être le seul, malheureusement. Ce serait bien s'il était seul. Ah oui. Alors, c'est un peu plus délicat pour Gérald Brunner, puisque il le mentionne explicitement dans les arguments expérimentalistes, donc peut-être qu'il le classe dedans après. C'est assez étonnant, mais. J'avais déjà rebondi là-dessus avant, mais la défense du pré carré, je pense que c'est un truc assez central. Enfin, il y a quand même un certain attachement aux frontières disciplinaires parfois que j'ai constaté. Après, je n'ai pas de données vraiment à l'échelle statistique pour appuyer ce que j'affirme, mais j'ai l'impression au moins qu'il y a un certain attachement aux frontières disciplinaires chez les sociologues. Bon, ça se voit notamment quand certaines personnes proposent des éclairages venant de la biologie au sens large du terme pour éclairer certains phénomènes humains. Mais pas seulement. Je pense que En tout c'est. cas, ce précaré, à mon sens, ça rentre dans le sociologue classique qui refuse de peut-être de voir évoluer sa discipline au prétexte que c'est nouveau ou voilà quoi. Puis j'aime bien aussi quand il dit, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être vrai également, parce que lui à la base il est architecte et c'est ensuite après qu'il s'est mis à la sociologie, quand il dit que la formation littéraire des sociologues, la très grande majorité, empêche donc la mathématisation et le fait de pouvoir faire des expériences, quoi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être vrai aussi, parce qu'il faudrait avoir une étude sur d'où le parcours des sociologues. Et puis j'aimerais bien savoir aussi ce qu'ils ont comme mathématiques appliquées ou pas dans leur formation. C'est une bonne question. Et tu sais, moi, j'ai avancé un truc différent, mais qu'on peut mettre en parallèle dans une certaine mesure. Dans mon texte, Triple embûche pour les sciences sociales, Oui. où je disais que. Alors, j'ai pas les données pour les sciences sociales, mais on peut tenter de faire une sorte d'interpolation. Parce qu'on a des données pour vraiment les chercheurs en sciences naturelles et pour les chercheurs dans les humanités. Et on voit que dans les humanités, ils ont un esprit qui est plus empathique au sens de Baron Cohen, hein, c'est des choses qui sont bien définies, et beaucoup moins analytique qu'en sciences naturelles. Alors, on peut tenter d'interpoler en disant que dans les sciences sociales, c'est peut-être quelque part entre les deux. Mais je pense qu'effectivement, il y a une tendance moins forte à utiliser les approches analytiques dans les sciences sociales et une tendance un peu plus forte à se laisser influencer par son empathie. C'est-à-dire, encore une fois, hein, quand on va lire. Être confronté à une situation qui implique des humains, on peut se laisser influencer enfin, par les sentiments. Ce qui en soi est plus ou moins inévitable, mais la tendance va être un peu plus forte Ouais, il est en raison du hypertrophié profil psychologique sociaux. des gens. Et en plus, justement, je recoupais ça avec les autres tendances. Comme y a des intuitions morales qui sont assez monochromes, l'empathie va être toujours, presque toujours, adressée au bénéfice des mêmes acteurs dans les dynamiques sociales et va conduire à la condamnation plus ou moins explicite d'autres acteurs. Et ça gêne encore hein, l'analyse des passionnés. C'est marrant. Après, c'est marrant qu'il attaque la sociologie irrationaliste aussi, parce qu'il a. Enfin, de toute façon, il l'a toujours fait, ça, dès ses débuts, dans son classique enfin, sociologie des controverses scientifiques. En fait, il s'en prenait en priorité à eux, quoi. Dont la tour, en fait, c'était. Dans la tour, C'était même impressionnant, hein. En fait, le texte, il est à ce point impressionnant que tu te demandes comment Latour a pu sortir son texte sur Pasteur et Pouchet, où il affirme en fait que c'est Pasteur, grâce à ses connexions sociales, qui en fait aurait gagné. Alors qu'en réalité, c'est parce que la génération spontanée n'existe pas. C'est pour cette raison, quoi. Et dans son texte, il défend l'inverse. Mais on se demande comment. Dans une note de lecture, j'avais lu ça. On se demande comment un faux à ce point a pu passer comme ça, quoi. Puis
Je ne sais pas quel poids ont encore ces approches, on va dire, explicitement irrationalistes à l'heure actuelle, parce que, bon, clairement, dans les années 70, 80, 90, elles étaient encore très, très présentes et avaient séduit un certain nombre de gens. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais pas non plus, ouais. J'avoue, je Je sais que la pense Cour sort que, toujours des livres, je sais pas si il est lu, je sais pas si. ouais. Parmi les chercheurs en exercice, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se réclameraient ouvertement des approches irrationalistes. Ceci dit, il y en a beaucoup qui, quand même, s'appuient au moins indirectement sur justement ce que Reynaud nomme la théorie critique, enfin, la théorie critique, les approches critiques de Adorno et Horkheimer, qui ne seraient pas du tout vues comme irrationaliste, voire antirationaliste, par la plupart de leurs partisans. Et ça, ce sujet encore un débat intéressant, mais on passe là-dedans. Après, il faut dire qu'il a assez Reynaud quand il écrit et qu'il veut viser quelqu'un, il est assez acide, hein. C'est un peu à la Mario Bunge, enfin, il est explicite. Peut-être que des fois, il y va un peu fort, même dans les arguments qu'il emploie, des fois, pour les qualifier, quoi. Après, c'est agréable à la lecture, forcément, mais voilà, je ne sais pas dans quelle mesure on peut les qualifier d'irrationalistes, Adorno et Horkheimer. C'est vrai que eux avaient quand même, ils ont écrit ce bouquin. Je crois qu'en français, ça a été traduit comme dialectique de la raison, même alors qu'en allemand, dans l'original, le D'accord. titre c'était dialectique der Aufklärung, ce qui est dialectique des lumières. Mais un livre qui. Mais encore une fois, il y a une subtilité, quoi, parce que eux prétendaient faire une distinction entre raison instrumentale et raison Ah critique. oui, d'accord. La raison critique en faveur de laquelle ils se prononçaient serait essentiellement ce qui permet d'améliorer le lot de l'humanité, de critiquer les injustices, D'accord, de voir que les choses pourraient être organisées ouais. différemment, alors que la raison instrumentale, que eux rejettent, enfin Rejette un peu. regrettent, C'est-à-dire d'utiliser des moyens dans le but d'aboutir à une fin. Hein. D'accord, on a la même ouais, définition. Ouais. exactement, exactement. Et pour eux, les lumières sont plutôt une sorte de consécration de la raison instrumentale. Et bon, même si ils vont pas jusqu'à dire que c'est seulement ça, ils avaient en fait un peu laissé une marge de manœuvre. Et ils avaient prévu d'utiliser, pardon, de d'écrire un autre livre, une suite qui se serait appelée Sauvetage, Sauvetage D'accord. des Lumières, Rettung, en allemand, Rettung der Aufklärung, dans lequel ils auraient en fait, oui, au moins précisé la partie du projet des Lumières qui leur paraissait favorable, mais ils l'ont jamais fait. Bon, ceci dit, je me rappelle plus bien la chronologie, mais ils ont dû fuir les persécutions, pardon, nazies, etc. Donc D'accord. ça a quand même réorienté aussi leurs intérêts. Mais ceci dit, je pense que à l'heure contemporaine, y a une bonne partie de la sociologie et des sciences, enfin des humanités, qui ont été influencées par ça et qui se voient comme tout à fait rigoureuses, rationalistes, alors même qu'en fait, il y a eu aussi une forte influence du postmodernisme qui a récusé, rejeté le rationalisme pendant des décennies. Mais en Mais ça, on le voit encore fait, aujourd'hui, hein. ouais, J'en vois oui. certains influencés par le postmodernisme. Ils se réclament quand même du rationalisme. Ouais. À l'inverse, nous autres, on serait alors ceux qui rendent vicieuse la raison, on réifie, on idéalise la raison, tu vois. Après. Ouais. Enfin, ouais. Bon, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter non pour maintenant, mais je veux dire, il y a une relation complexe entre, on va dire, certaines
certaines approches, voire croyances qui se prétendent issues des sciences sociales récentes, que toi et moi pouvons critiquer fortement. Donc une relation entre ça d'une part et puis d'autre part le rationalisme. Je pense que l'époque d'une sorte de rejet frontal de la raison par une sorte de phénomène qui est à la convergence des sciences sociales universitaires et puis du militantisme d'une certaine gauche. L'heure n'est plus au rejet frontal du rationalisme, mais plutôt une position plus complexe. Et Intermédiaire. ouais. Et en fait, Mais peut-être je vois ce que tu veux dire. un peu plus intelligente à mon avis, quoi, parce que je pense qu'il y a eu Bah, elle est plus certaines, nuancée, ouais. ouais, il y a eu certains éclairages. Enfin, si on prend des interprétations, disons mesurées de certaines théories du standpoint, théorie du point de vue situé, voire Ah oui, j'ai entendu parler. ce genre de choses-là. Enfin, je pense qu'il y a certaines choses à en tirer si on est prudent. Bon, ça D'accord. c'est pour une autre fois. Mais la prudence a très souvent fait défaut, quoi. Je vois. Je suis d'accord. Bon, bah, du coup, on a fini avec les programmes. Ouais. Du coup, maintenant, voilà, on arrive à la troisième et dernière partie, avant la conclusion, qui sont les principes. Donc, voilà, Reynaud, il reprend l'idée. Je pense qu'elle est de Bunge, d'ailleurs. Enfin, après, mais il y a plein qui la partagent. Que ces programmes de recherche ils ne peuvent fonctionner que si ils sont adossés à des principes auxquels la science doit adhérer pour pouvoir produire des connaissances. Et donc, ces principes que Reynaud juge nécessaires, ce sont le déterminisme, le naturalisme, le matérialisme et le scientisme. Mais à chaque fois, il leur accole l'adjectif méthodologique. Voilà. Donc, pareil, il y a un chapitre qui est dédié à chacun des principes. Donc, D'accord. le premier qu'il étudie, c'est le matérialisme méthodologique. Voilà. Donc il commence par définir le déterminisme. Donc, pour lui, le déterminisme soutient que les événements se conforment à des lois, relations constantes, par lesquelles les mêmes causes produisent les mêmes effets résultant des mêmes causes, correspondance biunivoque. Il n'y a pas de consensus ni sur le sens exact du déterminisme, ni sur les implications. Donc, il fait une étude sur l'origine du déterminisme, donc il parle de Laplace, enfin, je pense que tu connais, c'est le statisticien et philosophe qui avait dit que si une intelligence supérieure connaissait toutes les positions de moindres particules du monde, cette intelligence serait capable de connaître le passé, le présent, le futur, et serait capable de tout anticiper. Donc, à ses yeux, il n'aurait que présent, c'est le déterminisme total, Les laplacien savant, si je ne me trompe pas. positions et les quantités de mouvement. Il faut C'est pas ce aussi qu'il dit, non? ça. Il dit pas la place, non? Il dit pas ça à la place, je crois Ah, ça pas. m'étonnerait quand même, parce qu'avec les positions, tu peux rien faire. Attends, je l'ai. De toute façon, il vient de la mettre. Il vient de la dire. Attends. Donc, ah non, c'est d'Alembert. C'est la formule d'Alembert. Il dit pas celle de la place. Alors, d'Alembert, il dit, ce serait une intelligence qui connoît trois. Alors, l'état de tous les phénomènes dans un instant donné, les lois auxquelles la Ouais. matière est assujettie et leur effet au bout d'un temps quelconque auraient une connaissance parfaite du système du monde. Bon, ça se recoupe. Ouais, bon, en gros, il considère voilà, qu'il y a plusieurs définitions du déterminisme et que du coup, comme il y en a plusieurs types de déterminisme, il dit que cette situation est incompatible avec une pensée claire. On ne peut pas se dire déterministe sans autre précision. Si l'on veut éviter les confusions, il faut déclarer le type de déterminisme auquel on adhère. Il essaye de voir les formes du déterminisme contemporain pour voir laquelle il pourrait adhérer. Et en fait, en gros, il en conclut que voilà, le déterminisme, la sociologie ne doit pas s'en passer. Contrairement à ce que certains ont dit, et que c'est nécessaire pour produire toujours une connaissance, quoi. Bon, voilà. La clarification conceptuelle proposée à la fin de ce chapitre montre l'incompatibilité fondamentale entre science et indétermination. Par conséquent, quelles que soient ses orientations et ses traits particuliers, tout projet de sociologie scientifique doit adhérer à une forme ou une autre de déterminisme. La sociologie classique a échoué à réaliser le déterminisme ontologique et le déterminisme causal. Dans l'état actuel de nos connaissances, les formes les moins opposables sont le déterminisme méthodologique et le déterminisme statistique. Donc voilà, en fait, il discute assez peu du déterminisme ontologique, est-ce que le monde serait déterminé ou pas? Enfin, il le discute pas. Mais par contre, il affirme D'accord. que pour établir la connaissance sociologique, malgré ce qui a été dit, on doit y adhérer, quoi. Voilà, puis il montre que OK.
les auteurs classiques ont quand même plus ou moins tous adhéré à une forme de déterminisme. Ok, donc bah là, on va parler du naturalisme méthodologique. Du coup, Reynaud défend que, en fait, il existe une forme de naturalisme qui peut être compatible avec la sociologie, parce qu'il affirme en fait que certains courants de la sociologie, dont les courants interprétativistes et les constructivistes, s'opposeraient à l'idée qu'une science comme la sociologie puisse être naturelle, quoi. Et du coup, en fait, il distingue plusieurs naturalismes et en fait, il en garde un dedans, quoi. Donc, il donne une définition, il commence par dire bah, le naturalisme est la thèse et que tout ce qui existe peut être expliqué par des causes naturelles. Donc, voilà, il part de ça. Et puis après, bon, bah, il développe. Et donc, en fait, après, à un moment, en fait, il dit, on va examiner, nous, un courant du naturalisme qu'il appelle le naturalisme sociologique. Alors, je ne connaissais pas avant de lire Reynaud. Et en fait, ce serait, en fait, c'est celui plus ancien, donc je cite, qui plonge ses racines dans la physique sociale du 19e et se prolonge aujourd'hui jusqu'aux travaux de physique consacrés à l'étude des processus sociaux. Donc, pour lui, il y aura un lien entre ces deux, entre la physique qui étudie les processus sociaux et le naturalisme. Donc, pour lui, l'avantage est net, alors que le premier courant de la sociologie naturaliste, donc pour lui, le premier courant, c'est celui qui s'adosse aux sciences de la vie. Alors, je ne sais pas, il n'indique pas plus par là ce qu'il veut dire ou si, s'il parle, je ne sais pas, peut-être du. Comment? De la psychologie évolutionniste ou d'autres, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Et il dit, ce courant-là, donc la sociologie naturaliste avec l'adossement aux sciences de la vie, a produit très peu de résultats tangibles. Et donc, il dit entre parenthèses, ce qui a pour effet de créer une polémique d'intellectuels médiatiques autour des avantages et des inconvénients qu'il y a à défendre une science imaginaire. Le premier courant naturaliste existe depuis longtemps et a produit une moisson de résultats qui peuvent se soumettre à la critique épistémologique. Donc après, il explique les origines de ce naturalisme. Donc en fait, il en parle, il dit que Durkheim et Weber ont défendu ce type de naturalisme. Et donc il dit, les sociologues soucieux de défendre l'identité de la sociologie contre les attaques du naturalisme ont souvent cherché à enrôler Weber dans cette défense du précaré. Et donc c'est ainsi que la sociologie compréhensive, donc dixit celle de Weber, est devenue un manifeste orienté par la défense de la compréhension contre l'explication qui prévaut dans les sciences naturelles. Et lui, en fait, il dit cette opinion est indéfendable au vu des éléments du dossier que nous avons examiné ailleurs. Je me contente de rappeler ici que Weber pratique l'explication causale, fait incompatible avec la thèse qu'il aurait pensée la sociologie en opposition aux sciences naturelles. Alors ça, il en parle un peu plus loin. Bon, il dit en fait que beaucoup de sociologues ont interprété Weber comme étant que la connaissance sociologique était une connaissance compréhensive. Et lui, il affirme qu'en fait, Weber a toujours parlé de explication compréhensive, et que du coup, en fait, cette opposition compréhension-explication qu'on retrouve depuis le début dans les sciences sociales, en fait, n'a pas lieu d'être, en tout cas en parlant de Weber, quoi. Donc, il défend ça, et en filigrane, en fait, il dit que Weber soutenait le naturalisme sociologique, tel que lui défend, en tout cas. Donc, il dit ces exemples, donc il en sort pas mal, jettent aussi une lumière nouvelle sur le statut du naturalisme des origines, puisque la caractéristique principale des recherches de Condorcet, Laplace, Arago, Poisson ou Quételet n'est pas d'avoir transféré un calcul des probabilités élaboré au sein de la mécanique céleste vers la sociologie, mais bien plutôt d'avoir appliqué les probabilités parallèlement dans les sciences naturelles et dans les sciences sociales. Cela contredit presque le sens du naturalisme comme importation de méthodes étrangères aux sciences sociales et exige en retour de le requalifier comme un mouvement plus large et plus équilibré, cherchant les faits naturels partout où ils sont, mais sans considération ni concession à l'égard d'autorités disciplines traditionnelles. Donc, en fait, pour lui, le naturalisme, il n'a pas été appliqué aux sciences mathématiques, ou pas mathématiques, mais physiques et biologiques, pour être ensuite appliqué aux sciences sociales. En fait, c'était un principe de base qu'on pouvait d'office mettre dans les deux, quoi. Alors que certains sociologues qui défendent l'idée que le naturalisme serait inapplicable en sociologie défendent l'idée que ce serait pieds et poings liés à la biologie et à la physique, quoi. Et donc lui, au regard de ce qu'il a vu, il considère que non, en fait, on peut l'appliquer indistinctement aux deux, quoi. Il trouve qu'il peut exister une sociologie radicale. Et cette sociologie radicale, en fait, elle étudierait non pas donc, les comportements individuels ou la compréhension, elle ne chercherait pas à comprendre, mais en fait, elle étudierait seulement les interactions sociales entre individus. Leur phénomène d'agrégation, etc.
Et puisque lui, le social, en fait, n'aurait rien à voir avec la subjectivité des acteurs. Et comme il existe des sociétés animales et des sociétés virtuelles, en réalité, la sociologie ne serait même pas une science humaine, quoi. Ce serait une science tout court. Et du coup, il dit, bah, en fait, il est possible de pratiquer cette sociologie-là, en opposition aussi à une sociologie compréhensive, interprétative, etc. Mais il est aussi possible de pratiquer une sociologie radicale qui se concentre seulement sur les connexions sociales entre les individus, quoi. Et j'ai lu une autre note de lecture de ce livre-là, et c'est marrant parce que l'auteur de la note de lecture juge que Reynaud défend la sociologie radicale. Alors, je ne sais pas si on peut l'interpréter comme ça, puisqu'en réalité, il dit simplement que les deux sont possibles, quoi. Il n'essaie pas de dire qu'il faut faire une sociologie radicale, il dit que les deux sont possibles, quoi. Et en fait, ça m'a un peu fasciné d'imaginer ça. Et dans sa vidéo de présentation, Reynaud dit, voilà, s'il existe des sociétés animales et virtuelles qui possèdent des caractéristiques communes avec les sociétés humaines, alors est-ce que la sociologie est réellement une science humaine, quoi? Est-ce qu'on doit vraiment la considérer comme ça, ou est-ce que c'est une étude qui étudie les interactions sociales au sens large, quoi? Voilà, c'est ce par quoi il termine, quoi. Et il qualifie l'autre sociologie de conservatrice. Voilà. Il dit, la discussion précédente permet de revenir à la question posée en début de chapitre et de clarifier l'objet scientifique de la sociologie. Donc la sociologie est l'étude du social, c'est-à-dire des mécanismes qui fabriquent le fait collectif, interactions sociales et mécanismes d'agrégation, les états intentionnels des individus, croyances, représentations, motivations, volitions, intentions, etc., ne relèvent de la sociologie que s'ils contribuent à la genèse du collectif. Les courants de la sociologie qui étudient les significations en soi, approche compréhensive, interprétative, phénoménologique, herméneutique, oblitèrent souvent la différence entre humain et social. Mais peut-on, à moins d'ignorer la différence entre l'individuel et le collectif, mettre sur un pied d'égalité une légende urbaine privée et une idéologie orientant l'action collective de millions de personnes? L'objet de la sociologie étant le social, deux voies se dessinent pour la sociologie. La première, conservatrice, donc j'ai dit, consiste à prendre pour objet toute combinaison sociale-humain rentrant dans la première cellule du tableau de contingence logique. Et la deuxième, radicale, consiste à viser le social indépendamment de l'humain. De ce point de vue, l'organisation des sociétés animales est intéressante à plus d'un titre. Si l'étude d'un banc d'épinoches ou d'un groupe ou d'une alliance de dauphins apporte des résultats scientifiques sans enquête sur les états intentionnels des membres de ces sociétés, pourquoi cette approche ne donnerait pas-t-elle des résultats scientifiques sur les sociétés humaines? On peut admettre que les êtres sociaux ont tous de bonnes raisons d'agir, et considérer à cause de cela que ces états mentaux privés ne sont pas un objet de la sociologie. La sociologie radicale se sépare ici de la sociologie conservatrice en pensant que la distinction humain-non-humain est secondaire. Ça laisse à réfléchir parce que si tu considères cela, donc si on considère que c'est une sociologie radicale, donc sous-entendu, je ne sais pas, peut-être plus scientifique, ça veut dire que tu balayes d'un revers de main tout ce qui a pu être fait autrement, quoi. Mais d'un côté, je trouve que ces arguments sont bons aussi. Alors je ne sais pas trop. Comme on me positionnait, je trouve juste le raisonnement assez fascinant. Mais Ne sais pas ce que toi, lui personne. n'exclut pas, encore une fois, il Tout à fait, n'exclut il pas n'exclut pas. la conservatrice au profit de la radicale, quoi. Exactement. Mais en fait, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, si jamais, on ne sait pas ce que lui en pense dans le fond. Mais en tout cas, voilà, dans son livre, il n'exclut pas. C'est ce que fait l'erreur dans l'autre note de lecture là sur le site La vie des idées. Il dit Reynaud défend bec et ongles, enfin, puisqu'il dit hein, quelque chose dans le genre défend cette sociologie-là, alors qu'en réalité, il ne la défend pas. Il dit juste, elle existe, on peut la faire. Alors, est-ce qu'elle est souhaitable ou pas? Ça, c'est une autre question, quoi. Tu vois, donc moi, je sais pas, ça m'a un peu fasciné d'imaginer qu'on puisse faire une sociologie sans avoir le caractère humain, parce qu'après, ce serait en fait une science des interactions. En fait, peu importe que les individus soient humains, soient animaux, soient virtuels, en fait, quoi, ce serait simplement l'interaction, quoi. D'être doué d'intention mais dont on ne regarde pas les intentions. Et pour le coup, là, ça va un petit peu. Ça s'oppose, j'ai l'impression, en tout cas, à une sociologie de type bah, compréhensif, quoi, un peu à la Boudon ou Gérald Bronner, où tu regardes un peu les raisons d'agir, ou les bonnes raisons qu'ils ont, où on étudie les raisons, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne dit pas si cette sociologie radicale, enfin, on peut l'imaginer, si elle existe, si elle produit des résultats, on ne sait pas quoi. Parce que j'imagine que quand on fait de la sociologie de l'agrégation, j'imagine que dans les résultats, on en infère toujours aux individus, quoi. Par exemple,
Je sais pas, à Bronner, on a fait un petit peu, enfin, dans ce qu'il dit, quand les comportements s'agrègent, ça fait des. Ça, par exemple, ce sont les motivés, comme dit Bronner, ce sont les motivés qui vont prendre le dessus sur les réseaux sociaux. Bon, on en revient quand même aux intentions. Alors là, de plus du tout en parler des intentions, ça paraît radical pour le coup, mais. Moi, mon... j'ai pas lu le livre et je ne suis pas spécialiste de ces questions. Mon intuition serait de dire que sans doute dans certaines situations, ça peut être suffisant de regarder la situation sans prendre en compte les intentions, mais je pense que dans le cas général, Ouais. ça me semble insuffisant. Ouais. Pour expliquer l'ensemble de l'objet relation sociale, quoi. Et du coup, la conclusion est intéressante parce qu'en fait, j'avais oublié, mais il en reparle dans la conclusion. Donc, je rappelle, c'est la conclusion sur le naturalisme et sur, c'est-à-dire sur même prendre comment, les faits sociaux comme naturels. Et donc, il conclut, je me permets de reciter, le naturalisme radical permet d'envisager un rapprochement des sciences, mais il ne s'agit pas d'un rapprochement forcé comme le mariage de la carpe et du lapin imaginé dans la décennie précédente, lequel a peu de chances d'aboutir. Le naturalisme étant une façon commune de pratiquer la science, l'adhésion au naturalisme radical finit par rapprocher les sciences qui ont les mêmes intérêts ou partagent les mêmes méthodes. Pour devenir une science naturelle, la sociologie doit opérer une double décentration. Donc ici de Piaget, enfin, les idées viennent de Piaget. Elle doit rendre prioritaire la dimension objective et la dimension collective des systèmes sociaux. Donc, en plus, il parle bien de prioritaire. Donc, ça ne veut pas dire il faut effacer peut-être les caractères intentionnels ou subjectifs. Par exemple, étudier les interactions sociales et les mécanismes agrégatifs plutôt que les états subjectifs des moi privés. Les sociologues souhaitent-ils pratiquer cette sociologie radicale? De deux choses l'une. S'ils refusent le naturalisme, les productions scientifiques qui relèvent déjà de cette approche appartiendront à d'autres disciplines. Si les sociologues endossent le naturalisme radical, ces productions deviendront un acquis de la sociologie. Comme les recherches sont jugées à leur progéniture, il est trop tôt pour se prononcer, l'avenir est ouvert. Du coup, après on en passe au matérialisme méthodologique. Donc l'avant-dernier principe. Alors celui-là, c'est celui-là, je pense, qui va peut-être faire parler de lui, parce que c'est dans celui-là qu'il considère que Gérald Bronner, dans le livre avec G1, Le danger sociologique, en fait, s'attaque au matérialisme méthodologique. Et l'empêche. Parce qu'en fait, il existe. Enfin, j'ai lu pas mal de textes de Boudon. Et Raymond Boudon, donc, qui est dans la tradition de l'individualisme méthodologique, donc de se situer dans les raisons de l'individu qu'il a de faire ça. Bronner s'y inscrit aussi. Alors, ils avaient quelques différends, mais assez à la marge, disons. Ben, en fait, il défendait l'idée que le matérialisme, une fois appliqué aux phénomènes sociaux, a toujours empêché la sociologie de produire des connaissances. Et Boudon le dit explicitement dans un livre que Gérald Bronner a dirigé, qui s'appelle Le naturalisme dans les sciences sociales. Et Boudon dit, bah en fait, le matérialisme tel qu'appliqué alors par Marx, alors il parle du matérialisme historique et dialectique de Marx, mais il parle aussi du matérialisme scientifique au sens large, en voulant situer les raisons toujours matériellement. En réalité, ont empêché la sociologie d'acquérir des connaissances vraies et reproductives, etc. Et Boudon, il va plus loin que ça. En fait, il tape même sur les neurosciences. Alors, il tape, toute proportion gardée. Il appelle ça, je crois que c'est la neurophilie. Il dit oui, c'est les sociologues qui espèrent à court terme arriver très rapidement à une description neurologique des raisons et que celle-ci, en fait, ce serait même dans 100 ans, on n'y arriverait pas, quoi. C'est ce que sous-entendait Raymond Boudon, quoi. Et Reynaud, du coup, bah, s'oppose frontalement à ça. Mais en fait, c'est pas les seuls en sociologie à s'y opposer. Il y a tout un, en fait, il y en a pas mal qui s'opposent. Donc lui, il reprend les arguments un par un. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est vraiment les arguments de Gérald Bronner, quoi, puisque il les passe au tamis. Et donc, bon, il définit le matérialisme. Il en définit plusieurs, ontologiques, machin. Et bon, je rappelle, le matérialisme, c'est l'idée que le monde est constitué de matière. Bah, après, il y a deux manières de voir les choses. Soit on considère le physicalisme, c'est-à-dire qu'on peut réduire tout. Les explications peuvent se réduire, in fine, à ce qui se passe au niveau des particules. Ou alors, il y a le matérialisme émergentiste qui considère que chaque niveau d'émergence moléculaire, cellulaire, etc., est un niveau à part où on peut expliquer sans forcément besoin de réduire. Donc lui, il se positionne pour un matérialisme émergentiste. Donc
C'est pas étonnant puisque ici beaucoup Mario bouge. Enfin, j'ai l'impression que voilà, Mario bouge l'a souvent même comment il lui a fait les préfaces, tout ça. Donc c'est pas étonnant qu'il se positionne en faveur de ce matérialisme-là. Alors, tac, tac, tac. Alors oui. Alors en fait, il faut avant pour cela définir ce que c'est la sociologie analytique. Donc en fait, la sociologie analytique, c'est une sociologie qui a été forgée lors d'une conférence. C'était dans les années, non, c'est conférence de Stockholm, voilà, 96, et en fait qui reprend les principes de Merton. Robert Merton, c'était un sociologue des sciences, et en fait qui a dit en gros qu'il fallait trouver des mécanismes sociétaux pour pouvoir faire de la science en sociologie. Il fallait trouver des mécanismes, et du coup, ils ont repris ces éléments-là dans la conférence de Stockholm, dont Mario Bunge en était. Il était à cette conférence. Il y avait d'autres sociologues, alors il les cite comme ça. Et donc, ils ont fixé le programme de la sociologie analytique, donc trouver des mécanismes. Et selon Reynaud, quand tu trouves un mécanisme, en fait, c'est obligatoirement, du coup, ça s'inscrit dans un matérialisme émergentiste. Bon, il développe comme ça. Et Gérald Brunner, dans le livre Le danger sociologique, en fait, il oppose une autre définition de ce que c'est la sociologie analytique. Et. Donc, il englobe la sociologie analytique telle que je viens de le décrire et que Robert Merton décrit. Et il englobe dedans la sociologie individualiste qui se concentre sur les états intentionnels, etc. Il se concentre. Et donc, en fait, Brunner l'inclut dedans. Bon, alors, cela dit, parce que du coup, j'ai été voir immédiatement. En fait, cela dit, Gérald, en fait, le précise en note de bas de page qu'historiquement, c'est celle-ci, mais que lui, pour les besoins de sa démonstration, l'inclut dedans, quoi. Donc, puis je pense que peut-être que Gérald fera une réponse parce que j'en ai touché deux mots de ça, justement, et il m'a dit qu'il essaierait d'engager une conversation avec lui pour en parler. Donc, ça se trouve, il précisera peut-être plus tard ce qu'il entendait par là. Et là, comment il s'appelle Reynaud est assez sévère, quoi, mais du genre très sévère. C'est un peu ardu. Bon, bref, il définit la position analytique. Bah tiens, il cite Boudon, qui rejette le matérialiste. Alors voilà la citation de Boudon que j'avais lue. Lorsque la sociologie s'est voulue matérialiste afin d'atteindre, croyait-elle, à la solidité des sciences de la nature, elle a toujours abouti à des impasses. Boudon 2011. Donc il dit, je ne souscris pas à ce diagnostic qui est basé sur deux confusions. Un, le succès ou l'échec d'un programme ne tient pas seulement à ses principes, mais à une série complexe de conditions au nom desquels la qualité des données recueillies, la puissance du test mis en œuvre, l'existence d'un débat contradictoire sur les résultats, etc. Dans ces conditions, il est difficile d'incriminer un principe à partir des erreurs qui ont été commises en son nom. Même dans l'hypothèse où toutes les formes historiques de matérialisme auraient été des impasses, rien ne permet d'affirmer que les programmes futurs se solderont par les mêmes échecs. Faire la différence entre l'état d'une science et ses possibilités de développement est une pierre d'angle de l'épistémologie possibiliste que je défends. Et deux, Boudon ne distingue pas entre matérialisme ontologique et matérialisme méthodologique. Or, ces deux formes de matérialisme ont des conséquences différentes. Le matérialisme méthodologique demande simplement d'étudier des systèmes matériels et d'admettre qu'une théorie soit testable empiriquement, c'est-à-dire qu'on la soumette à des preuves matérielles. Boudon, adhérant à l'idée de théorie matérialisme ontologique, non, pardon, à l'idée de théorie à moyenne portée de Merton, son jugement ne porte que sur le matérialisme ontologique. Il ne concerne pas le matérialisme méthodologique, auquel il n'aurait probablement pas refusé d'adhérer. Il est donc possible que son rejet du matérialisme résulte de la volonté de tenir ensemble le projet d'une sociologie analytique dont il était proche par certains aspects et le projet plus classique d'une sociologie compréhensive interprétative. Ouais. Donc ça, c'était sur Boudon. Et après, il en arrive au danger sociologique. Disons qu'il l'attaque de toute façon sur le fait qu'il inclut dedans la sociologie interprétative. Et selon lui, ça a des conséquences assez graves pour la sociologie scientifique. Alors là-dessus, je vais être mesuré parce que je ne sais pas dans quelle mesure un simple livre peut avoir des conséquences graves. Après, je ne sais pas en fait. Ça dépend si les personnes ont suivi les recommandations épistémologiques de Brunner. Voilà, il dit, or, ni William Dilthey, ni Max Weber, ni Alfred Schütz, ni Ludwig von Mises, ni Friedrich Hayek ne peuvent être considérés comme des représentants de la sociologie analytique. Tous étaient morts au moment de la conférence de Stockholm, ou comme des précurseurs de cette spécialité, chacun de ces auteurs ayant mis en pratique des principes radicalement différents de ceux qui définissent la sociologie analytique. Ce point doit être explicité. Et là, il dit, en résumé, c'est là que c'est sévère, alors que la sociologie analytique est novatrice, explicative, expérimentaliste, mécanistique et matérialiste,
La sociologie analytique décrite dans Le danger sociologique est régressive, interprétative, anti-expérimentaliste, phénoménologique et subjectiviste. On s'étonnera que la même expression ait été choisie pour décrire des approches sociologiques si différentes. Il est inutile de se demander si ce contresens est volontaire ou accidentel. L'effet est le même. Il dégrade le matérialisme scientifique des premiers travaux sur les mécanismes sociaux et plébiscite l'entreprise des Gestwin en allemand de Dilthey et la sociologie romantique réfractaire à la méthode scientifique. Doit-on rappeler que la dichotomie entre les sciences de la nature et les sciences sociales a été inventée par l'école herméneutique dans son effort pour maintenir les études sociales dans le giron humaniste et les empêcher de prendre la voie scientifique. La fusion opérée entre la sociologie analytique et son contraire est donc lourde de conséquences sur le plan épistémologique. Elle entrave le développement de la sociologie scientifique. Tout ce que tu dis sur déterminisme, naturalisme, etc., m'inspire pas mal de réflexions, mais je pense que je peux les garder à la fin et les faire ensemble parce que elles vont se recouper aussi avec le reste. Mais le terme allemand que tu as escamoté, c'est Geistwissenschaften, c'est ça? Oui, c'est ça. De Je ne sais pas lire l'allemand, donc. Ça veut dire Enfin, si on traduit vraiment littéralement, c'est les sciences de l'esprit. Mais d'accord. Ah oui. Typiquement, en allemand, c'est utilisé pour ce qu'on dirait humanité en France, en français. Dans ce même chapitre, il critique un peu le dataïsme. C'est Bunge qui avait appelé ça comme ça. C'est l'idée que les sciences se résumeraient aux data, quoi, et aux données, tu vois. Du coup, voilà, il dit la matérialité des data est parfois considérée comme une garantie de leur fiabilité. Certains data scientists ont mis en avant la quantité massive des données, la fidélité sans précédent, etc. D'autres auteurs y voient un point de vue arrogant. La croyance en la robustesse intrinsèque des data peut détourner l'analyse de la méthode scientifique. Et c'est à ce titre que les data ont été qualifiés d'utopie technologique, de superstition, de sorcellerie, de culte du cargo ou de dataïsme. Bon, pour Bunge. La réalité est autre, car loin de se trouver dans la nature, la donnée est produite. Bon, en conclusion, voilà ce qu'il dit, c'est ce qu'on va retenir. On peut défendre une adhésion non dogmatique au matérialisme. Celle-ci a pour point de départ le fait que malgré le travail incessant de ses propagandistes, l'antimatérialisme est fondamentalement incompatible avec la science et soulève plus de problèmes qu'il n'en résolut. En gros, il ne dit pas qu'il arrive à trouver une définition du matérialisme très satisfaisante. Il en trouve une qui est plutôt satisfaisante et il dit elle suffit pour la pratique scientifique. Et puisque ceux qui ont propagé ces idées-là antimatérialistes n'ont pas finalement fait leur preuve, bah, on doit satisfaire d'un matérialisme incomplet. Après, il parle du scientisme. Alors là, le scientisme, c'est un terme particulier s'il en est, qui a été instrumentalisé de tous bords. Il fait une petite enquête historique. Lui s'en réclame, mais ça, c'est. Oui. C'est très rare. En général, c'est un terme qui est mal défini, voire pas défini du tout. C'est juste un terme de disqualification. Absolument, oui. Bah, en fait, il reprend la définition de scientisme de Mario Bunge, qui est en fait de dire que le scientisme, en fait, c'est la meilleure méthode. En fait, c'est de reconnaître que la science est la meilleure méthode pour connaître le réel. Et en fait, si tu la prends pour argent comptant, si tu la prends comme valable, en fait, elle n'empêche pas que d'autres moyens de connaissance existent ou peu importe. Elle demande juste de reconnaître que la science est le meilleur moyen pour connaître le réel, quoi. Donc après, tu peux en déduire des conséquences, j'imagine morales ou même, peu importe. Et lui, il s'en défend. Alors en fait, il fait une étude étymologique du terme depuis presque la première utilisation depuis Renan. Et en fait, comme ça, il trouve différentes utilisations. Et donc, il le dit explicitement, c'est un terme qui a été forgé par ses adversaires, quoi. Il le dit, et en fait, il dit, voilà, dans la présentation, il dit « Le scientisme est devenu aujourd'hui une tare ou une insulte. Notre tendance spontanée est donc de nous en détourner pour éviter d'être nous-mêmes insultés. » Et en fait, lui, il dit, après, dans l'histoire, en fait, il y a eu plusieurs utilisations du terme. Et donc, il en analyse, je ne sais plus, quatre, je crois. Et en fait, il dit dans les quatre, en gros, il n'y en a qu'une qui est fiable et qui peut être utile, c'est celle dont il se réclame, quoi. C'est celle-ci. Et après, j'avoue, c'est pas quelque chose de commun, quoi, de défendre ça, puisque comme tu dis, dès qu'on entend scientisme, généralement, c'est. C'était le scientisme selon Auguste Comte, qui était en fait de l'ingénierie sociale, quoi. C'est-à-dire.
La sociologie, Ouais. elle a pour vocation de changer le monde aussi, quoi. Tandis que là, c'est pas ça du tout, c'est de reconnaître la science comme meilleure méthode. Alors, j'avais mis en citation sur Facebook, et c'était Christophe Darmanjat. Je vois, c'est un anthropologue, je sais pas, tu vois, c'est qui? Non, tu vois pas du tout? Bon, il est assez connu, quoi. Et en fait, il m'a dit, alors lui, il était d'accord avec la définition, mais lui, il affirmait que le terme était trop chargé. Et qu'il fallait s'en passer, quoi. Du simple fait qu'il soit trop chargé, il fallait trouver un nouveau terme ou autre chose, quoi. Tu vois. Alors qu'à Assez l'inverse, différent. bah, Boone, Reynaud, tout ça, en fait, ils ont toujours trouvé noble, quoi. Du coup, ils ont toujours défendu ce terme. Et donc, tu vois, il dit, si l'on adopte une définition rigoureuse du scientisme, comme le scientisme est la thèse selon laquelle la meilleure façon de connaître la réalité est d'employer des méthodes scientifiques, on voit mal les reproches qu'il pourrait essuyer, sauf de la part des partisans de l'astrologie, des fleurs de Bac ou de la logorrhée postmoderne qui nourrit si souvent les sciences sociales. Le scientisme méthodologique n'a rien de honteux qu'il devrait cacher. Ça, c'est dans sa présentation générale, Ouais. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup rencontré ce terme comme accusation en lisant. quoi. Je me suis intéressé aux réponses qui ont été adressées à Dawkins, Harris, Hitchens et tous ces auteurs-là qui ont critiqué la religion dans les années 2000. Et les critiques qui ont été adressées à leurs critiques, donc les critiques qui typiquement viennent en défense. D'une manière ou d'une autre de la religion. Il y en a beaucoup qui comportent une accusation de scientisme affublé de ça. Il y a l'idée que, enfin, on dit plutôt comme incarnation de ça, il y a l'idée que peut y avoir d'autres manières d'arriver à la connaissance. Ça peut être l'expérience. Une expérience religieuse de telle ou telle nature. Bref, enfin voilà. D'accord, ouais. Bah, tu vois, parce que lui, il est très attaché à la distinction sciences fondamentales, technologie. Parce qu'il a écrit un livre, Qu'est-ce que la technologie? Et pour lui, quand on utilise le terme technoscience, par exemple, c'est que bah, c'est comme il dit, c'est la logorrhée postmoderne pour lui, tu vois. Et en fait, il dit si on utilise la raison si on utilise la raison pour gouverner la société, il dit ça ne relève pas de la science, ça relève de la technologie sociale. Et du coup, à ce sens, le terme scientisme conserve toute sa valeur, quoi. Nommer scientisme une doctrine de l'organisation sociale revient à reproduire la confusion entre science et technologie. Il est donc inutile de s'engager davantage dans cette voie, quoi. Donc, ce n'est pas du tout le scientisme des origines ou qui voulait qu'on vienne dans un monde réglé par la science, quoi. C'est vraiment reconnaître la science comme meilleur moyen de connaître le monde. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais écrit un petit texte lors de la mort de Samuel Paty. Et j'avais défendu l'idée dans ce texte. Je l'avais mis sur Facebook. Je l'avais proposé à des hebdos, tout ça, mais j'avais eu des refus, quoi. Et en fait, avant même qu'il écrive ce livre, parce que j'avais vu la définition de scientisme de Bunge, quoi. Et en fait, j'avais défendu l'idée qu'il faudrait aller plus loin que la simple laïcité à l'école, puisque moi, je parle en tant qu'enseignant. Et moi, je disais qu'il fallait reconnaître la science à l'école comme meilleur moyen de connaître le monde. Et à ce titre, on aurait pu réfuter les croyances religieuses. Ou pas, les croyances de type, quand tu les prends comme argent comptant, parce que j'ai déjà eu des élèves dans ma classe qui m'ont dit que les dinosaures n'avaient pas existé, parce que ce n'était pas écrit dans le Coran, par exemple, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Et j'avais défendu l'idée que si l'éducation nationale accepter comme principe le scientisme, eh ben, tel que défini par là, on pourrait en tant qu'enseignant réfuter rapidement ce genre d'affirmation. On aurait le droit de le faire, quoi. Puisque ce qui est contenu dans les livres religieux, on sait bien que ça c'est pas calqué à la réalité, à moins de faire du concordisme. Bon. Et bon, j'avais défendu cette idée, quoi. Et en fait, ça m'a plu parce que, en fait, en conclusion du naturalisme, en fait, du naturalisme, du scientisme, pardon. Reynaud conclut par contraste avec les thèses antiscientistes, la thèse selon laquelle la meilleure façon de connaître le monde réel est d'employer des méthodes scientifiques est claire et dépourvue de préjugés. Le scientisme méthodologique n'a rien d'une tare ou d'une insulte, il peut être pensé ouvertement, recourant à l'esprit critique quand les nouveaux prêtres nous enjoignent d'adopter des doctrines surannées. Le scientisme méthodologique peut être le socle de nouvelles lumières. Et en fait, c'est un peu ce que je pensais quand je souhaitais l'appliquer comme principe dans l'éducation nationale, quoi. Donc voilà, ça m'a fait une petite touche. Ok.
Faudrait peut-être qu'on en discute séparément de ça, Ouais, c'est dense, hein. l'éducation nationale et ce que tu viens de dire. Ça m'interpelle, mais je pense qu'il vaut mieux pas se lancer là-dedans. Moi, le seul auteur que j'avais lu qui défendait, c'était Mario Bunge. C'est comme ça que j'avais. Et moi, je n'avais pas vu de définition avant du scientisme. Et quand je lisais dans les conversations, j'étais, mais à chaque fois, c'est utilisé comme insulte, quoi, ou comme qualificatif négatif, quoi. Donc. En général, le terme émerge quand quelqu'un quand quelqu'un parle de connaissances scientifiques qui vont à l'encontre de croyances chéries par une autre personne, auquel cas cette autre personne est susceptible de dégainer le terme-là pour préserver ses croyances, tout en gardant l'impression de ne pas trop s'opposer aux connaissances, mais ça va permettre de, en quelque sorte, circonscrire le périmètre de pertinence des connaissances scientifiques pour pouvoir permettre de préserver les croyances sans Aussi, ouais. assumer le fait d'être finalement en pratique opposé Ouais, aux vraiment sciences. au. Ouais. Je vois. Bon, bah, je vais conclure directement sur son chapitre conclusif. Donc, le chapitre conclusif, ça, il s'intitule La vérité à l'ère de la post-vérité. Donc, dedans, en fait, il va discuter de ce que c'est la vérité, puisqu'on sait bien que c'est un peu un serpent de mer philosophique, hein. Il commence par une anecdote qui est assez sympa. Il était à une conférence, puisqu'en fait, il disait qu'il avait été en astronomie avant, et du coup, il avait fait des observations. Voilà. Et lors d'une conférence, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a coupé, et qui lui a dit, en quelques mots, qu'en fait, que la vérité en science, on s'en fiche. Et finalement, peu importe si on a été sur la Lune ou pas, que ça ne comptait pas, tu vois. Peu importe qu'on a été sur la Lune ou pas. Du coup, bon, bah, il fait une réponse à cette personne dans le livre, quoi. Et il explique en fait que l'idée de vérité, ça reste le concept fondamental pour les sciences, quoi. C'est ce qu'on recherche. Et du coup, dedans, alors qu'est-ce qui. Alors, il regarde d'abord si on peut subalterner la vérité à l'utilité. Et en fait, pour ça, il utilise le tableau de contingence logique que j'avais présenté en début, là, dans les concepts. Et il montre en fait qu'on ne peut pas réduire la vérité à l'utilité. Il fait de même avec le consensus social. Ou à l'intersubjectivité, je ne sais plus. Et il regarde aussi si on peut le réduire au pouvoir, pour reprendre les thèses de Foucault. Donc en fait, il en déduit que non. Bon, en gros, la vérité, même si elle est dure à définir ou à caractériser, eh ben, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas qu'elle n'existe pas. Voilà plus ou moins ce qui sous-entend. Il montre que certains ont dit qu'elle était indéfinissable. Frege, Frege, avait soutenu apparemment qu'elle était quelque chose d'indéfinissable, quoi. Et du coup, en fait, il s'arrête à la théorie correspondantiste de la vérité. Il montre ses défauts, ses qualités. Et du coup, il la reprécise parce que, en fait, certains ont opposé l'argument que entre un énoncé, une théorie, ou bref, il ne peut pas y avoir de correspondance réelle, terme à terme, entre ça et la réalité. Et du coup, il dit, bah, en fait, il trouve une petite astuce. Il trouve la théorie de la correspondance comme mapping. Et donc, il dit, en fait, c'est une théorie de la correspondance de la réalité avec certains éléments de la réalité, et seulement certains. Et donc, comme quoi la réalité sera inépuisable par toutes les théories, quoi. Il défend sa théorie de la vérité, quoi. Bon. Voilà, il se base sur la correspondantiste, il l'améliore un petit peu, et puis ça se termine là-dessus, quoi. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que la vérité, ça reste ce qui est recherché dans les sciences. Et le bouquin se termine là-dessus. Je pense que c'est pas mal ça, ce qu'il défend là, parce que bon, enfin, je vois pas non plus comment on peut. Enfin, je vois pas comment. Je pense pas qu'il soit sage de jeter l'approche correspondantiste. Donc, l'idée que on est dans le vrai si ce qu'on avance correspond à Dans l'état une du certaine monde. mesure. Ouais. Par contre, je pense qu'il faut effectivement certains bémols, comme lui en met, c'est-à-dire que déjà,
On est toujours, enfin toujours, presque toujours condamné à l'approximation. Évidemment. Part, et puis d'autre part, effectivement, presque systématiquement, on est condamné à être limité dans on va dire, le domaine de validité. Bon, c'est des bémols quand même importants, mais pas disqualifiants. Donc quand il défend sa théorie de correspondance comme mapping, il dit de ce point de vue, la théorie de la correspondance comme mapping est plus exacte puisqu'elle reconnaît explicitement que toute théorie étant incomplète ne recouvre qu'une partie de la réalité. La correspondance n'est jamais établie entre un énoncé et toute la réalité, mais seulement entre un énoncé et une portion du réel. Oui. Il aime bien formaliser Renaud, c'est Oui, impressionnant quand même. c'est le cas de le dire. Ouais. D'ailleurs, dans son livre Qu'est-ce que la technologie? Donc, tu sais, il défend l'idée que donc, technologie et technique sont différentes, et que la technologie, en fait, c'est une technique, mais en fait, c'est une découverte ou quelque chose qu'on fabrique dans lequel on implante une connaissance scientifique fournie par hypothético-déduction. Et contrairement à une technique qu'on découvre fortuitement ou sans avoir de connaissances scientifiques. Et il formalise tout ça, quoi. Et il formalise aussi, il formalise le raisonnement médical, le raisonnement magique. Il formalise tout à chaque fois. Mais pour le coup, c'est vraiment original de voir ça, quoi. C'était vraiment sympa. Comme tu dis, il aime bien formaliser. Ouais. Ouais, ce serait bien. Ça m'a vraiment donné envie de lire ce bouquin quand même. C'est la présentation que tu en as donnée, notamment à cause de tout ce qu'il raconte sur la physique statistique, sociologique, si je peux dire comme ça. Mais alors peut-être que je changerai d'avis, mais bon, pour l'instant, mon impression, c'est que utiliser les éclairages de la physique et des maths, enfin, disons la physique, pour la sociologie, je pense que ça peut être utile, mais c'est moins largement pertinent et peut-être plus superficiellement pertinent qu'utiliser ceux de la biologie et de la psychologie, qui me semble moins intéresser Reynaud. Et là, je Oui, tout me à fait, sens quand même en désaccord ouais. assez net avec lui. Et là, je crois que je rejoindrai plutôt Bronner. Ou Cordonnier Parce même, que... là-dessus. Oui, complètement. Alors, peut-être que la position de Reynaud est un peu plus subtile, mais... Ouais, enfin... C'est ce que je disais, quoi. On peut effectivement Ouais. en dire des trucs intéressants. Il faudrait que je lise ce qui résume comme les recherches de physique statistique sur la sociologie. Je sais qu'il y en a, j'en vois passer de temps en temps. Je n'ai pas trop le temps de les lire en général. J'ai fait une interview d'un physicien qui essayait d'étudier l'évolution des accents à l'aide des outils, enfin des approches, quoi, de la physique statistique. C'était plutôt intéressant. Mais... Il me semble que, Il aurait généralement dû donner son parlant, avis. ouais, généralement parlant, ça reste des approches qui sont... Enfin, il me semble qu'elles ne vont pas tout à fait au fond des choses, quoi, parce que, on peut dire des choses pertinentes, et même faire des prédictions, sans doute, sans s'embêter à décrire les états psychologiques des acteurs. Mais je pense que dans la majorité des situations, c'est difficile d'avancer sans faire ça, quoi. Après, disons que s'il est fidèle à son principe, il ne va pas dire que c'est impossible de faire de la sociologie avec de la Ouais, j'ai biologie. bien compris. S'il est fidèle à son principe, là, c'est sûr. Après que lui soit intéressé ou pas, je ne sais pas. Si jamais, bah, je sais qu'il avait l'air assez proche dans ses idées de Mario Bunge. Mario Bunge, lui, sur la psychoévo, par exemple, il était réservé. Il n'était pas, d'après ce que j'ai pu lire de lui, hein. Il n'était pas enchanté, à certains moments un peu plus que d'autres, mais il ne disait pas non plus que c'était inutile ou quoi que ce soit. Il disait que ça devait faire ses preuves, quoi. Globalement, il disait ça. Alors, je ne sais pas comment envisage la chose Ouais. Dominique Reynaud, mais...
Voilà, si Ouais. ça peut être une piste éventuellement. Ouais, je ne sais pas quand il a écrit ça aussi, Bunch, parce que bon, la psychologie évolutionnaire ou évolutive a une trentaine d'années maintenant. Il y a eu, comme dans toutes les disciplines, un certain nombre de choses plutôt fausses qui ont été dites. Il y a eu des corrections qui ont été apportées. Ne nous lançons pas là-dedans. Non. Je propose de conclure, enfin de Ouais, alors tu parlais t'avais tout à l'heure encore d'une d'autres choses à rajouter? réflexion. Non, Ouais. pour moi, c'est bon, à part de dire que c'est un Ouais. livre dense, super intéressant. Les chapitres sont inégaux, hein, si, bon, ça ne faut pas s'attendre à un livre très simple non plus. Mais Ouais. voilà, ça dresse quelque chose d'intéressant, quoi. Sur la sociologie, ça apporte un autre regard. Voilà, très rigoureux. Donc, si on aime bien les auteurs rigoureux, faut se diriger vers là. Après, bon, il n'est pas exhaustif, hein, bien sûr, il n'est pas exhaustif. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'il parle des sujets non consensuels, quoi, les studies, tout ça. Bon. Après, voilà, il ne l'a pas fait, mais. Enfin, la question du matérialisme, parce qu'effectivement, matérialisme, ça a signifié des choses extrêmement différentes. Il faudrait que j'aille voir comment il clarifie ça, parce que oui, le matérialisme dialectique, c'était, et ça reste, n'est-ce pas, quelque chose qui prescrit justement des réponses déjà préétablies au point de vue sociologique. Donc, en ce sens-là, c'est fondamentalement idéologique. Bien que, justement, comme le dirait Reynaud, ça a pu être fécond à certains égards pour la recherche en sciences sociales, mais bien souvent, ça a prédéterminé les conclusions des recherches. Mais par ailleurs, oui, enfin, ambitionner à court terme de pouvoir rendre compte des états mentaux en termes de. Vraiment d'état De neurones, quoi. neurologique et de. Ouais, ça évidemment, on ne sait pas faire pour l'instant et on ne pourra pas faire dans le futur proche, enfin, sauf grosse surprise. Ouais, grosse Donc, avancée. mais je veux dire, je pense peu de gens, bon, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, peu de chercheurs ont fait dépendre le progrès de leur recherche là-dessus. Ça m'étonnerait que des gens se retrouvent bloqués en attendant, C'est vrai, ouais. en particulier des sociologues. Donc, c'est peut-être que je m'attaque à une mauvaise interprétation de la position Bah, de Reynaud disons et que de celle lui, qu'il enfin, attribue à Boudon. de ce que j'ai pu lire, en fait, déjà, il considère la science comme un phénomène exploratoire, quoi. En fait, on ne sait jamais ce qu'on va apprendre, de quand, de comment. Oui. On explore, et c'est pour ça qu'il disait en général, les épistémologues ont trop fait dans le normatif en sociologie, alors qu'elle a, elle a, elle a toutes ses raisons d'aller explorer un peu partout, voir ce que ça peut donner. Donc, vu comme ça, je le vois mal limiter des choses, tu vois. C'est pour ça Ouais. quand Vinteuil ou d'autres disent Reynaud défend cette sociologie, en fait, il le fait pas explicitement, quoi. Enfin, je pense qu'on peut défendre un matérialisme méthodologique tout en considérant que, y a probablement une correspondance entre les états du cerveau et les états mentaux, tout en étant conscient du fait que cette correspondance-là, on ne la connaît pas explicitement et c'est pas demain qu'on arrivera à la faire. En fait, je suis d'accord avec toi parce que Donc, je me suis déjà posé la ouais. question. En fait, quand je voyais Boudon qui disait qu'il refusait le matérialisme, au début, je n'étais pas d'accord avec lui. Et puis après, quand il affirme que, bah, y a une neurophilie, etc., bah, après, il précise bien quand même qu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas faire le lien, enfin, on ne peut pas le poser directement, mais il envisage que dans le futur, ce soit. C'est vrai que tu peux quand même étudier les raisons que les acteurs ont de faire, en sachant pertinemment, mais sans aller plus loin, qu'il y a des raisons, il y a des causes neurologiques là-dessus, ou c'est égal à ce qui se passe dans les neurones, quoi. C'est vrai que je ne vois pas de blocage immédiat, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, peut-être qu'il y a une subtilité que je rate, mais il me semble qu'il y a peut-être un peu Alors, je sais qu'à un moment, je crois, il un parle. fétichisme de certains termes qui peut ici conduire à ce Peut-être. blocage, quoi.
Mais je sais qu'il parle aussi du problème de la conscience. Je crois qu'il en parle un moment dedans. Et du fait que nos états mentaux seraient irréductibles à ce qui se passe dans notre cerveau, quoi. Alors, bon, après, je sais qu'il en parle, mais je sais plus je saurais pas te dire là, dans quelle mesure. Puis, je pense qu'on a peut-être épuisé le temps pour revenir là-dessus. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Beaucoup. Ça m'a donné envie de le lire le livre si jamais je trouve le temps. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter, @acadfreedom, et sur Facebook.